Et salut à tous mes agneaux, c'est Over, on se retrouve pour la seconde partie de soirée de live sur Devour Moon Project. J'espère que vous êtes motivés et en forme pour un petit peu de Fallout 4. On va continuer un petit peu ce que j'avais déjà commencé, je crois, vendredi dernier, effectivement. Pour ceux qui s'en rappellent, très probablement, j'étais à l'époque sur Far Harbor. Il faut savoir que j'ai continué du coup le Let's Play, j'ai beaucoup tourné pour le Let's Play YouTube. Vous le verrez bien assez tôt, du coup, ce qu'il y a comme nouveauté, mais je peux quand même vous spoiler, entre guillemets, en disant que j'ai pu libérer l'île de Far Harbor, que toutes les colonies possibles sont maintenant entre mes mains, et que du coup, bah, il est temps de récolter ce qu'on a semé et de se faire du pognon et du matos, hein, parce que là, je suis un petit peu à sec, je vous avoue. Pour ceux qui repèrent là où je suis actuellement à l'abri 88, hein, je suis enfin retourné au Commonwealth. Ça doit vous en dire quelque chose, hein, sur l'état d'avancement du coup de la colonie et du coup de la partie, hein, voilà. Et du coup, eh bien, petite soirée pépère, je sais pas trop ce que je vais faire au niveau du housing et autres, mais on va se mettre bien. Alors on va laisser tout le monde arriver petit à petit. Je suis en train de voir que j'avais du matos d'accumuler. Genre ce petit fusil, ce pistolet, pas piqué des hannetons. Eh, les armes elles sont là, hein. Eh, les armes elles sont là. Hop, viens par là toi. Nickel. J'avais accumulé pas mal de grenades effectivement. Donc ça c'est pour l'arty. Enfant de décembre, oui c'est celui que j'avais accumulé. J'avais trouvé sur place, très bien. Bon. Faisons le point déjà sur ce que j'ai sur moi. J'ai mon matos de milicien, d'accord. Je pourrais peut-être tester la nouvelle armure. Peut-être pas nécessairement tout de suite. J'ai surtout besoin de munitions. Alors, niveau arme, c'est bon. Niveau tenue, c'est bon. Niveau soin. Niveau soin, c'est pas le truc du siècle. Mais je peux garder ce que j'ai. Ok, niveau divers, on s'en fout. Bric-à-brac. Ça passe, et du coup il reste les munitions évidemment. Bon, est-ce que éventuellement j'ai laissé des poches de sang? Merde, il y a des poches de sang. Qui dit poches de sang dit steampacks. On va faire attention du coup. Oh, si je peux pas lui laisser autre chose, genre les stealth boy. Là, le sang irradié. Ah, c'est les psychos. Oh là, 90 psychos. Oi, 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 oi. Il y a beaucoup de soins que je vais pouvoir prendre ici, effectivement. Alors. Du coup, questionnement que j'avais. Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que l'abri 88, j'ai jamais vraiment réussi à l'exploiter et l'utiliser. Cependant, j'en suis à un stade où j'ai dû avoir tellement de ressources accumulées qu'il serait quand même temps que je me mette à avoir une usine de production de munitions. Il est temps. Excusez-moi. La question étant, où est-ce que je le faisais? Alors d'abord, avant de mourir, je vais boire un peu, parce que sinon, ma gorge ne va pas suivre. Voilà, comme ceci. Alors du coup, faisons le point. Oh, 950 caps, je prends. Voyons voir. Bric-à-brac. Voyons voir le bric-à-brac d'accumuler. Normalement, j'ai tout le bric-à-brac d'accumuler dans tout le Commonwealth. Ou pas, quand je vois qu'il n'y a pas tant de trucs que ça. Il faudrait que j'aille dans d'autres colonies. 3000 de bois. Vérifier quelque chose. Là, j'ai 29 d'aluminium. D'accord. Attends. Voir autre chose. Un truc que je peux calculer facilement. Genre le cuivre, peut-être. Non, un truc. Qu'est-ce que je pourrais voir? Si, l'acier. Oui, si, l'acier, j'en ai 56. D'accord. Mais. Si je lance le menu de construction, qu'il se réveille. Avec de l'acier, je sais pas, de la tôle, une structure en tôle, voilà, genre un...
Mur en toile, acier. Donc sur place, j'en ai 50 et en tout, j'en ai 1279. Ça veut donc dire que lorsque je construis, j'ai toutes les ressources des autres colonies de centraliser à cet endroit. La mauvaise nouvelle, c'est que tout est centralisé pour la construction. Pour les ressources, malheureusement, c'est pas le même délire. Pour les ressources, c'est tout ce que j'arrive à porter et ramener ici. Faudra pas que j'hésite à aller voir des colonies pour faire le plein. Bon, ça c'est là. À la fois la bonne et la moins bonne nouvelle. Bon. Où se pose encore une fois la question que je me posais dans le let's play. Est-ce que je centralise toutes les colonies que j'ai à Far Harbor à l'abri 88? Ça me simplifierait quand même les choses, je pense. Ah, ça me simplifierait les choses quand même. J'ai tellement de trucs que je sais plus quoi en faire. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais j'en suis là, hein. C'est terrible. Oh, c'est vrai que j'avais les quêtes des enfants d'atomes que je pourrais finir. Ça, j'avais dit, je le ferai en live. Je vais aller voir le chasseur renégat, j'avais fini cette quête, trouver l'appartement. Ça c'est autre chose. Je peux parler à Ellie. Où ça Ellie? Ah ouais. Ah j'ai peut-être des petites quêtes que je pourrais me trouver comme ça et faire le plein. Ma foi. Ma foi, c'est peut-être pas une mauvaise idée ça. Peut-être faire le plein. Mais écoute... Tu sais quoi, on va faire ça. Je vais commencer par quelques petites quêtes. J'ai toute la soirée devant moi. Allez. Oui, je peux me TP d'ici. Hein. C'est bien ça, sauf erreur. L'île du pendu qui est à 10. C'est une colonie qu'il va falloir que je développe aussi, effectivement. Ouais, elle est là. On va commencer la soirée par quelques quêtes. Oh. Alors marbre, c'est le nom de mon appart. Ah d'accord. Ah j'avais pas compris, c'était le nom de l'appart que tu as à Diamond City. Ok, je comprends mieux. Ok, je comprends mieux. Et donc du coup pour parler à Ellie, il faut que j'aille. Que j'aille là. Très bien. On pourrait faire du housing hein, avec cette maison aussi. Hein. Il y a plein de choses à faire. Pareil, je pense que je vais craquer pendant la soirée et faire la quête que j'avais débloquée pendant le... que j'avais achetée via le Creation Club. Oui, je sais, je suis un pigeon jusqu'au bout. Où tu pouvais débloquer justement un appartement avec 4 étages, le truc luxueux hyper grand. Je vais voir ça en détail, voir ce qu'il vaut. Voyons voir. Ellie. Bonjour, général. On vient juste apporter la bonne nouvelle à Diamond City. Oh. Ah, ben oui, du coup, c'est vrai. Avec la chute de l'Institut, c'est les miliciens qui dirigent la ville maintenant. Bien. L'explosion provenait des anciennes ruines du CIT. Et si on croit les histoires qu'on raconte sur cet endroit, vous pensez que l'Institut a vraiment été détruit? Oh oui. Toute une gamme de traitements non, médicaux. Je veux pas te voir. Ah, Ellie, c'est elle. J'avais zappé. Ellie, c'est celle qui fait les... qui est l'assistante, justement, de Valentine sur les enquêtes. Ok. Vous êtes de retour? Oula. Comment ça s'est passé avec l'affaire Nakano? Oh, ah ben oui, c'est elle qui me l'avait donné, l'affaire Nakano. J'ai retrouvé la fille de Kenji dans un camp de réfugiés synthétiques. Au nord de Far Harbor. Elle est de retour chez elle. Génial!
On n'a pas souvent l'occasion de donner des bonnes nouvelles. Ça change. Merci d'avoir résolu cette affaire. Je savais que tu ferais du bon boulot quand tu as commencé à bosser avec Nick. M'oublie pas, détective. Tu me donnes de l'Apex au moins ? Tu m'as fait bouger tout ça pour ça ! Tu me donnes au moins une autre quête ! Merci encore d'avoir résolu l'affaire Nakano. On ne sait jamais quand on tombe face à un cas difficile. Tu m'en veux pas, mais du coup, je cherche toute ressource que je peux te chourer. Rob Coffin. Oh, oh ouais. Je l'avais pas pris, t'es sérieux? Avec le jeu Zeta Invaders. J'en ai jamais trop eu l'utilité. Et pour taper les moustiques. Oh, attends. Excellent. Oh là, tout ce stuff. Tu m'en veux pas, Nick, hein, mais je me sers. Apparemment, je peux tout prendre, donc m'en voulez pas, les gars. C'est pour le travail, j'ai le droit. Ok. Bon, ben voilà. Tu vois quand tu veux. Allez, dégage. Allez, hop. C'est gros. Bon, première quête finie. Alors, voyons voir ensuite. Ça y est, été fait. Atom, ce sera Farabor, on y retournera après. Je peux parler à Preston pour finir une quête, mais j'en aurai une autre tout de suite. Enquêter sur la galerie de Pikmin, parler à Bobby, parler à Jack Cabot, apporter une fleur de fougère et apporter du jet. Alors le jet à Mama Murphy, je vais pas le faire, parce que je ne la laisserai pas mourir. Bon, je peux enquêter sur la galerie de Pikmin. C'est où son bordel? Galerie de Pikmin. Ok. Écoute, si je peux aller là-bas, autant y aller. Écoutez, on va nettoyer les quêtes que j'ai en rab. Ça se trouve, ça va bien se passer. Ce sera des petites quêtes rapides avec de l'Apex à la clé. Pourquoi s'en priver, vous me direz? Bon, faut que je stuff, faut que je me fasse du stuff et que je fouille. Donc autant en profiter. Un petit peu de scavenge, ça fera pas de mal. Et en sachant qu'en plus, j'ai l'île derrière de Farabor à nettoyer. Et dire que j'ai même pas modé le jeu encore. Ça va être un sacré bordel quand je vais commencer à le faire. Aïe aïe. Oula. On va éviter de crever quand même en plein live. Alors. On va sortir le pistolet un petit peu. Ok, non, mais ils se battent à côté et moi je gagne de l'Apex. Écoute, j'ai envie de te dire, faites ce que vous voulez, les gars. Faites votre vie. Les temps de chargement. Les temps de chargement.
crois qu'on va réussir à le choper, Staré ? C'est une vraie anguille. Il a déjà réussi à nous filer entre les doigts. Mais Slab laissera jamais un type en vie une fois qu'il s'en est pris à nous. Quand Pikman a chopé Roy, il paraît qu'il l'a écorché vif et qu'il a laissé les rats le bouffer. Ça me fout les jetons, rien que d'y penser. Sans déconner. Plus vite on butera cet enfoiré, mieux ça vaudra. J'ai toujours l'impression d'être observé ici. C'était quoi la quête déjà ? Enquêter sur la galerie Pikman. Oui, encore, mais en détail ? Non, j'ai pas plus de détails. Ok, ben, tu te sauvegardes rapide. Bonjour ! Hein ? Non ! T'as pas le droit de crever ! Bonjour ! Non, ma terre ! Je te tiens ! Léo, ça suffit. Eh bien alors ? Eh bien alors ? Oh là ! 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 Ce fut rapide ! Ce fut rapide, ce fut rapide ! Oh, ce bordel ! Je me suis fait défoncer ! Je me suis fait défoncer en deux-deux ! Bon, on recommence de façon un peu plus discretos. On va y arriver. Allez, viens par là. Caché, y a quelqu'un. Voilà. Bon, on continue. Donc le début c'était ça. Ensuite. Ça va être toi ou moi. Si je te vois bien, ça sera pas moi. Non. Alors, étant donné qu'elle a un fusil à pompe et moi seulement un pistolet, et que je n'ai plus qu'un seul steampack, c'est que je suis sur le point de mourir, mes chances de survie sont de 5%. Merci. Hop là. Oh. Attends. Oh, il va me saouler lui. Il va me saouler. Bon. On va faire ça, le ragoût d'iguane, très bien. Petite sauvegarde gratos des familles au cas où. Oh, ce qu'il lui a mis. Non, tu veux pas mourir. T'es sûr que tu veux pas mourir? Ouais, non, la tête. Excusez-moi. Merci! Ah, quand même! Ok. Message pour Jack, d'accord. Deux Steam Packs, je prends. Il faut que je revoie en coque. Ok. Bon, écoute, c'est une quête, somme tous pas compliquée, avec du matos à la clé et de l'Apex. Mais voilà. Il n'y a plus qu'à sauvegarder. Alors. On joue la fille de l'air. T'inquiète, je vais t'en faire une de fille de l'air, tu vois. Albertine. L'enfant de décembre, tiens. Ça fera très bien le boulot en attendant. T'es où encore? Attends, je peux y aller en baseball? Oui, en bas de baseball. Alors attends. Soin. Les bons vieux Skittles. On reprend l'habitude. Aucun signe. C'est bien ce qui m'inquiète. Allez, on va bouffer, j'ai la dalle. Tu pourras bouffer quand j'aurai la certitude que personne va nous tomber dessus. Ouais, pigé. Putain, mais pourquoi t'es toujours de mauvais poil? T'es toujours en vie, pas vrai? Tu ferais mieux de me remercier au lieu de rouspéter tout le temps. Assez bavassé. Quelqu'un pourrait s'approcher discretos pendant qu'on cause. Comme tu veux. Et recurve. Au moins, elle est lucide. Hein. Un pillard lucide, je vous avoue. C'est pas courant comme délire. Alors attends. Non. Oh, on recommence. Alors. Non. Raté. On va y arriver. Bingo. Joli. Continue de sauvegarder.
du ruban adhésif, un atelier de dope. Pas récupérer de la peinture, ça t'amuse. Cet endroit me dit rien qui vaille, Captain. Vous voulez pas qu'on se bouge un peu? T'inquiète mon grand, t'inquiète. Over, dis-moi. Moi, pourquoi? Oh, oh oui, oh c'est une boîte à sandwich. C'est trop mignon. Heureux Ali. Carte de visite de Pikmin. Carte de visite. Qu'est-ce à dire ce que ceci? Tu crois qu'ils sont toujours là? Non, c'est calme. À mon avis, c'est fini. Imbécile. T'as de la veine que je sois là pour te couvrir. Faut pas tu avoir vas... honte si vous avez envie de gerber. La plupart des gens le feraient en voyant ça. Ah, tu m'en diras tant. Ouais, non, je le sens pas. Pikmin ben, y a oh, 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 oh. Éternellement. C'est que j'ai failli pas l'avoir la cocotte. Pikmin. Merde, c'était quoi ça? Et à moi, Minus. Wout, 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 wout. On va sortir la petite Albertine. Viens par là, ma grande. Eh oh, ça suffit de se planquer. Tu arrêtes de me montrer ton cul, s'il te plaît. Ah. Allez, gros dur. Bon, écoute, il va me saouler. Attention, ça sent l'home run dans 3, 2, 1. Voilà, home run. Excellent. Oh, des munitions. Et merde, des radiations. On n'avait pas besoin de ça. T'inquiète, ça va bien se passer, mon grand. Alors, du coup, un message de Corve. Ce week-end, je pourrais parler à toi et au Cap en vocal. J'aurais besoin de vous parler 5-10 minutes. J'ai une idée pour la commu qui pourrait pas l'agrandir, je pense, mais lui donner une bonne vision. S'il y a une bonne visibilité, logiquement, la communauté grandit, mon cher ami. Donc, ne réduis pas tes idées, allons. La foule en délire. Salut à toi. Baba, comment ça va? Magnifique home run hein, de la part du Over, c'est de toute beauté. Comme on les aime. Alors. Mon spectacle était magnifique. Ça va? C'est assez sombre pour vous? Ah, on peut faire mieux encore. Ah, j'y crois, on peut faire pire. Ouf, ma carabine de combat s'en fout un petit peu un moment. Quoique, j'ai de la place. Et de la place. Et toi? Oh oui, moi ça va, nickel. Je vais toujours récupérer ça plus tard. Alors. Hé, pas par là. On a rien vu. On a rien vu. C'est aussi noir que la mer en pleine nuit. Pas aller par là, donc logiquement, je dois faire le tour par là. Ok. Surtout une bonne vision aux yeux des gens, pas dans le sens on la voit mieux, mais dans la logique c'est vrai aussi. Oui, 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 non mais y a pas de soucis mon grand. Ah, le signal sonore indique qu'il y a des débilos qui veulent crever. J'arrive. Sors de là qu'on en finisse. Ouh, c'était la tête ça, Longfellow. Ah, t'as fait ton coquinou sur ce coup-là. Ah, coquinou. Arrêtez de... Voilà, je vais peut-être être un petit peu... Voyez des images rares. Un Over en train de chasser le pillard. Non, vous ne rêvez pas. Le Over entre deux fails peut passer... De proie à chasseur. Même si le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Tout, 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 tout. Attends, je l'ai vu se rapprocher.
Ok. Et bienvenue à toi, Uturo, bienvenue à bord. Oh bordel! Ils m'ont énervé! Dégage donc, Philo, laisse-moi faire. Ouais, c'est ça. Over! T'as des grenades! Non, j'ai dit des grenades. Voilà. Mangez ça, c'est cadeau! Ça, c'était de la grenade! La foule est en délire! Le documentaire qui a l'air vachement intéressant. Quelle chaîne? Sur celle-ci, cher ami, en direct live sur Twitch. Ah ben maintenant, ils sont un petit peu partout. Tiens, viens. Ben. Un Simpax, magnifique. Ah, peut-être l'arme, si. Si, si, au moins l'arme de fortune, je peux récupérer des ressources. Notamment du cuivre, j'ai été un peu surpris. C'est un bon moyen d'en récupérer. Je crois que j'ai buté tout le monde sur ce coup-là. Alors, j'ai buté tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle. Ah non, tout le monde n'est pas mort. Tu m'entends? T'es un homme mort. Montre-toi, Pikman. Mais qui a fait ça? T'as pas le droit de crever. Qu'est-ce qu'a dit à ce que c'est? Oh. Alors... Écoute, on va la jouer simple. Voilà, direct. Excuse-moi. Je suis d'humeur percutante. Dès le premier rendez-vous, tu m'en veux pas. Je mets pas la langue directe. Oh là. Oh, une tête. Oh, une tête. Attends. Tu veux une grenade? Merde. Cette fois, c'est la bonne. Dis à... Il y a quelque chose dans le coin, je le sens. Ah, raté. Attends. Oh, ça sent l'home run là. Vous le sentez l'home run? Vous le sentez? Pep. Oh non. Oh là là, la déception est totale. La déception est totale dans l'assemblée. Ah bon, ça va être du golf. Non, non, oh, la déception est totale. Oh là 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 là. Ton radar intégré. Merci à toi pour les beats. Merci à toi, mais... mon cher baba. Bon, faut chercher dans les morceaux, hein, forcément, hein, les restes d'armes. Est-ce qu'il y a gaz? Non, on s'en fout. Oui, c'est ça, Sangar. Brouette. C'est ça. Absolument. Quand on prend un truc, faut mieux le prendre tant qu'on le peut. Tu m'étonnes. Bon, c'est bon, tout le monde est mort ou... Comment ça se passe? On te tient enfin, Pikman. Alors, tu huit. Tu croyais pouvoir torturer et buter les nôtres comme tu voulais, hein? Je vais... Alors... prendre mon... Non, c'est ça, tu vas prendre ton temps, c'est ça. Et une grosse erreur. Voilà, une tête. On n'est pas seul ici. Attends. On va t'aider. Je crois qu'il faut que je le sauve, en fait, à un moment. Donc, attends, on va faire dans l'ordre. Toi, tu me dis A, A, dis A. Boom, headshot. Suivant. Dis A. Ah si, t'as senti. Si, tu vas sentir. Évite celle-là. Y'a pas à dire. Le SVAV, c'est excellent. Vous êtes monsieur Pikman, je suppose. N'est-ce pas? Excusez-moi. J'ai eu chaud, merci. Ces types méritaient pire que la mort. Oh, sûrement. Pourquoi vous... Oui, j'avoue. Pourquoi il voulait vous tuer à ce point? On avait un léger désaccord. Il n'aimait pas mon petit hobby. Collectionner leur tête. Laissez-moi vous rembourser ma dette. Ah, j'avoue. Vous me devez rien. Ah, je reconnais. De toute façon. Raison de plus pour vous récompenser.
Si vous retournez chez moi, examinez le tableau Stanley en pique-nique. Et vous y trouverez ma gratitude. Vous aurez besoin de ça. La clé de Pikmin. D'accord. Récupérer le cadeau de Pikmin. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un gros assassin taré, multirécidiviste, étant donné que son délire est de collectionner la tête des... Joli. Bon, allez, vous avez trop ennuyé, hein. Augmente la résistance au poison. Non, le poison. 5 points, très bien. Écoute, ça se prend. Donc, c'est un gros taré qui aime bien buter les pillards et utiliser que ce soit leur tête ou tout ce qui passe sous la patte pour faire des tableaux avec. Bref, un artiste de la muerte. Madre Dios, Dio. En effet, pour s'entendre. De la mort aura, tu es sérieux? Fusil d'assaut aussi, je le prends. Je vais en récupérer des pièces avec ces conneries. Très bien. Oh, des mantas. Le pinceau. C'est bon. Ok. Du coup, il y a un cadeau à récupérer. C'est par où? Pas une sortie express, hein, évidemment. Donc, il faut que je revienne en arrière. Ah non, même pas. Surtout que j'ai la clé, donc tout va bien. Nickel. Bon bah écoutez, c'est un assassin. Mais d'un autre côté, étant donné qu'il assassine que les pillards et que les pillards on peut pas vraiment dire que ce soit des potes. L'ennemi de mon ennemi étant mon ami, Pikmin est un pote. Un peu ch'tarbé, un peu taré, mais un pote. Comment c'est le genre de personnage qui te file leurs clés et autres, genre des buts Encore plus de pognon. Bonsoir à toi Barbarossa. Comment ça va? Ça faisait longtemps, dis-moi, quoi de neuf? Quoi d'inuf? Limite pendant que ça charge, car c'est peut-être le moment de rappeler à tout le monde que l'aventure continue sur YouTube, hein. Car oui, ce que vous voyez n'est qu'une de ces nombreuses pérégrinations que je fais en live avec vous pour pouvoir alimenter justement le let's play que je fais. Pour info, le jeu de base est fait, le DLC Automatron et Far Harbor est fait. Du coup, logiquement, il me reste encore 2-3 conneries que je vais faire pour vos yeux ébahis. Et après, je devrais pouvoir attaquer Nuka World et après, les DLC. Autant vous dire qu'il y a pas mal d'épisodes encore à venir. Ça, à partir de cet instant, je suis en congé. Toutes mes félicitations, Baba. J'y suis presque, les gars, j'y suis presque. Casse-suis direct ici. T'es adorable, Corbe. Bien. Aider à défendre le poste de contrôle. Mais quel poste de contrôle? Moi, je veux bien, mais lequel? Je veux bien, mais lequel? Quel poste de contrôle? Ah, il y en a un juste à côté, d'accord. Je m'en veux pas, mais je vais d'abord récupérer mon matos, non? Non, tu veux pas. Bon, d'accord. Allez, on va aider les miens. Ah, bliette. Piou-piou. Je me demande contre qui ils se battent. Piou-piou. Attendez, j'arrive. Mourez pas, s'il vous plaît. Vous êtes des miliciens. Vous ne pouvez pas mourir. Oh, vu les tirs. Oh, c'est l'institut, ça. C'est par où? Tu suis les tirs. Ok, par là. En. Headshot. Oh merde. Toi aussi headshot over. Eh ben oui mon grand. Eh ben oui, tu meurs pour cause de décès. Ah, évitez les conneries, hein. Eh oui. Hadaway et Simpax. Oui, je sais, je les prends comme des Skittles. Me jugez pas. Oh, mais attends. Je peux reprendre la touille, Michel. Touille. Synthétique commando, ça existe cette merde? C'est-à-dire qu'il est où en fait? Oh non, un chasseur, mais il est où? Nickel! Bien placé! Tu meurs pour cause de TC. Merci. Rien n'échappera à ma vigilance. Ce site appartient aux miliciens. Bien. Vous avez bien défendu le territoire. Excellent, les amis. Du coup, toi, capsule. Le plastron, non. Le fusil, on peut le récupérer. Caps, mission, le fusil. Et du coup, le chasseur, les cellules et le pistolet. Pff, il avait que dalle. Ok.
M'étonne pas, dans la région, c'est surtout l'institut qu'il y a de présent. Enfin, qu'il reste de l'institut maintenant qu'il est mort. Quelle? Oh, une poche de sang, oh là là, ça va m'en faire des steampacks avec ces conneries. Des pillards, super, un revolver de fortune. Caps. Toujours utile ça. Du coup, je vais voir pour récupérer ce que je pouvais récupérer comme cadeau. On n'est pas loin, donc ça devrait bien se paxer. L'arme toujours chargée, on sait jamais. On dirait qu'on n'a pas le choix. Ah, c'est cadeau. Non, ce sera la batte de baseball. Ok, alors attends. Attends. Évidemment. Dégage. Raté. Tu dégages. Suivant. Mais oh, over. Oh la déception. Je me suis chié comme une merde. Oh god. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est par où qu'on récupère le matos? Juste à côté normalement. Évidemment. Juste à côté, qui veut pas? Ah, peut-être que. Peut-être que. Ouvre la porte. Fais le tour. Nah, voilà, c'est par là. Ouh, cette chaleur, mon dieu. Je me demande comment ça se passe de votre côté. Mais j'ai une chaleur moi de mon côté. Stanley en pique-nique, trop bien. Avec un coffre. Y entre. Des capsules. Tac, tac. La lame de Pikman. Les cibles subissent 25 points de dégâts d'hémorragie. Que la yum yum. Une belle lame qui plus est. Et heureuse Raquel. Très belle lame. Mot de remerciement de Pikman. Ok. Lui aussi peut être intéressant. Et un pistolet avancé. Propre. Je vais récupérer les carabines, ça peut être intéressant. Et les capsules. Voilà, nickel. Go jouer avec Over et go améliorer ça. Et aussi, voilà comment nous sommes commençant les aider en justice. Tellement pété l'hémorragie. Je t'avoue que l'hémorragie, c'est pas quelque chose que j'utilise, hein, je dois t'avouer. Je suis pas hyper expérimenté au niveau du combat au corps à corps dans les Fallout. Déjà, la batte de baseball, bon, j'en suis tombé amoureux, mais au final, c'est plus chiant qu'autre chose. C'est assez lourd à gérer au final. Faudrait que je teste le coup du couteau. Surtout celui de Pikman, du coup, parce que 25 points de dégâts d'hémorragie, c'est assez bâtard, je dois bien l'avouer. Bien! Alors, niveau des données, bonne occasion d'apprendre, et le pire, tu as les percs pour, mon cher Over. Eh oui, remarque le couteau, pour le cac, t'as totalement raison, tout à fait, logiquement, c'est ce que je devrais utiliser la lame de Pikman, j'avoue. Et Relumi, un viewer qui s'excuse de son absence, dit entre. Mais pourquoi tu n'étais pas là plus tôt? Y'a aucun problème, Lumi. Tu viens quand tu peux, mon grand. Ça va toujours, j'espère. Oui, les quêtes, c'est ça que je voulais voir. Donc du coup, d'hiver, il fallait que j'aille voir Hancock. Faut que j'aille parler à Bobby. Bonjour, moi c'est Bobby. Et il est censé être où, Bobby? Ah, il est pas loin, Bobby, tu vois.
Ah, c'est à Good Neighbors. Mais écoute, je vais rendre les quêtes au fur et à mesure. Coupure internet. Oh là 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 là. Ça douille sévère, dis donc. J'ai profité pour Miam, c'est revenu tout seul. Le mec qui a son emploi du temps de fixer à l'avance par les éléments, tu vois. Tu vois. Y a pas internet ? Je vais bouffer, ça ira mieux après. Tu vois, le gars, il pose les conditions, tu vois, aux ingénieurs. Ils sont là. Vous voyez, j'ai 25 minutes pour bouffer. Vous démerdez en rentrant, c'est réglé. Ah, gad. Hey, salut. Vous cherchez du boulot ? Non. Je savais pas qu'il y avait du boulot. Maintenant, vous le savez. C'est vrai que c'est pas elle que je voulais aller voir. Non, 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 je l'oublie, effectivement, j'avais complètement zappé. Elle, on s'en fout. Elle voulait faire des trucs plutôt sales. Donc Bobby, on s'en fout. Faut que je parle à Jack Cabot, ça, je pourrais faire ça, effectivement. Pff, la fleur de fougère, on s'en fout. C'est un truc à la con. Jack Cabot, ouais. Écoute, je vais aller voir Hancock, parce que c'est toujours aussi poilant de le voir, il est excellent Hancock, je l'adore. Mais sinon, j'ai pas trop de raison de rester dans le coin. Luminico, l'homme qui s'adapte à toutes les situations, mais tellement, boulot, tellement. À Diamond City avec McDonough. Peut-être qu'ils vont rouvrir la porte aux ghouls maintenant. Eh, j'avoue. Du coup. Hey, vous approchez pas trop près, monsieur le gros dur. Alors, cette petite mission de reconnaissance, vous avez découvert ce qui se passe à la galerie de Pickman ? C'était horrible. C'était une vraie boucherie. Pickman était un serial killer. Et. Il utilisait des cadavres pour... son art. Que... quoi ? Sérieusement ? C'est vraiment glauque. Même pour cette ville. Je vais dire à tout le monde d'éviter d'aller dans le coin. Bon travail. Vous avez été au bout de l'horreur, mais vous avez survécu, et c'est tout ce qui compte. Voilà votre argent. Honnête. Je... ah, t'es là! Oh, j'ai eu peur! j'ai le temps de parler deux mots, mais... je vous écoute. Oui. T'as des quêtes ou c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Vous avez déjà joué aux échecs? Parfois, il faut savoir sacrifier une pièce pour rester dans la partie. N'oubliez pas ça. Excusez-moi. On ne devient pas les maîtres de cette ville en jouant dans les règles. Allez-y. D'accord. Écoute... rien d'intéressant ici. Je suis allé du côté des ruines de Cambridge l'autre jour, et j'ai entendu un appel de détresse bizarre. Quelqu'un a des soucis. Ouais, 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 c'est ça. Ok, bon, bah, j'ai rendu la quête. Problème réglé ici. On est bien ? On est bien, on est bien. Je suis bon pour aller fouiller à... retourner à Far Harbor bientôt. Et du coup, je pense que je vais réorienter toutes les routes des colonies de Far Harbor vers l'abri 88. Pour pouvoir le développer. Je pense qu'on va être... on va y être obligé. Bien. Voyons voir. De toute façon, j'ai des mini-quêtes à faire ici. Donc ça, c'est le prochain truc. Encore, on s'en fout au pire. Je peux trouver l'appartement. Il est loin d'ici ou pas? Ouais, il est pas loin, hein. Il est pas loin, il est pas loin l'appartement. Écoute. On va voir. Donc pour ceux qui se demandent, l'appartement que je vais aller voir là tout de suite, c'est un appartement qui est débloquable en l'achetant. Avec des sous, via le Creation Club. Donc ne le faites pas, c'est moi qui pigeonne. Là je vais voir ce que ça va donner et si ça vaut la peine. Je ferai peut-être un petit épisode vite fait pour montrer l'appartement. Mais voilà, j'avais des crédits en trop, donc autant en profiter. Et coucou, Jack, ça va toujours, mon grand. Si seulement c'était pas aussi long, les temps de chargement, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il
J'avoue que le Darion, c'est une vraie plaie, ce truc. Ranger l'appart avant d'aller chercher ma femme. Il te reste 20 minutes pour ranger avant de te faire défoncer par ta femme et ton réflexe vital, tu viens sur le live. Oui, 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 réflexe vital. Réflexe vital. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Prends des coups de feu. Je suis détecté, je sais pas par qui, je sais pas par quoi, ni comment. Ah, un pire vétéran. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Alors. Tuit. Au cas que je fasse une erreur, vous me connaissez. Eh bien d'accord, hein. Il est considéré comme pire. Viens par là, mon grand. Ta-ta-ta-ta-ta. Bon, t'as fini ton moonwalk, mec. C'est bon ? Voilà ! On est d'accord. La 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 la. Non, c'est bon. Ok. Pas moyen de crocheter. Ah bon, on me l'avait jamais faite, celle-là. Je fouille pour trouver la clé, d'accord ? Note au voyageur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Attends. Alors, Bugtejda, qu'est-ce que tu nous as fait encore? Note au voyageur. Bordel, on me l'avait jamais faite. Oh, je me débarrasse de tout ça. J-K-L. Alors, M-N. Note voyageur. Jim, Sally, Roger, bienvenue. J'espère que ça n'a pas été trop difficile de trouver cette note. Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi? On n'est jamais trop prudent par les temps qui courent. C'est l'endroit dont je vous ai parlé. J'ai passé quelques semaines ici jusqu'à maintenant, c'est un endroit tranquille, je pense qu'on peut en faire notre maison. J'ai dû sortir récupérer des vivres, mais j'ai surligné l'endroit où je me trouverai. Vous pouvez m'attendre ici, ou venir me retrouver. Il n'y a qu'une seule clé, et je la garde tout le temps sur moi, je suis sûr que vous comprenez. Prenez soin de vous, Charlie. Traduction, le mec est mort, et il faut que je récupère son cadavre. Évidemment. Et son cadavre ne va évidemment pas être à côté. Sinon, c'était pas drôle. Bon. Si, je peux aller à Hallucigène, écoute. Hallucigène. Papalapapap. On a les mêmes sens des priorités, je dirais. Oh, comme dans Skyrim, une petite quête pour avoir la clé de la propriété. Perso, j'adore ça, donner un petit côté. Faut le mériter. Alors, le donner, oui, j'avoue. J'avoue. Bon, je t'avoue que la façon d'amener la quête est un petit peu con. C'est dommage, hein. Ça manque d'épicerie. Épicerie existe. Ça a été inventé une fois, donc ça passe. Donc, épicerie. Mais sinon, oui, effectivement. C'est un petit côté sympa. C'est pas « Oh, bah tiens, t'as acheté, donc tu as la maison. » Non, c'est vrai, tu dois chercher. Ils auraient pu nous le présenter un peu autrement. Ça aurait été vraiment classe. Mais je respecte. Over prend la porte. Ça va pas être possible, j'ai pas la clé. Oui, vous me voyez bien être en train de boire au beau milieu d'une zone dangereuse, sans avoir les doigts sur mon clavier. Pourquoi pas après tout ? C'est pas comme si ça lui servait. Effectivement, alors que c'est une zone entre les mains des artilleurs du coup. Enfin, entre les mains des artilleurs, je les ai un peu défoncés. Demande ta femme, t'en mets une. Tu le mérites avec tes conneries. Oula. Il n'y a plus rien.
l'image exceptionnelle d'un hover en train de chasser sa proie favorite, le pillard, ou trappeur à Far Harbor. Le pillard est une espèce endémique du Commonwealth, tout comme de la plupart du Wasteland, les territoires irradiés des États-Unis. Violente, moche, très mauvaise, elle n'en demeure pas moins une espèce pas si facile que ça à dénicher. Il faut parfois faire preuve d'imagination pour pouvoir la voir. Est-ce que je pourrais pas faire le tour ? Évidemment. Salut à toi, Kiki. C'est pas comme à l'entraînement. Tirer sur des plans, pourvu que ce soit pas encore si sensible à pareil à cet enfer. Ok. Ah, c'est Strong, c'est un allié, c'est bon. C'est bon. Lui, c'est un allié, j'ai pas à m'inquiéter pour sa gueule. Oh, j'aurais même pas à tirer un coup de feu. T'es sérieux? Journal de Charlie, ok. Bon, mais d'accord, ok, j'aurais pas eu à tirer. Le mec était préparé à tout, tu sais. Ah, gad. Connerie, voilà, il me perturbe. Ah, je suis dans ta tête, quand je suis dans ta tête, c'est foutu. T'es foutu, mon grand, t'es foutu. L'over est une créature très grande avec une longue crinière idéale pour se camoufler, j'avoue. Alors, je vais pas le faire parce que ça va vraiment me saouler, mais... On pourrait. Bon allez, je vais ranger ma maison histoire de pas trop me faire défoncer. Bispon live. Bon courage, Jack. Peut-être à tout à l'heure, je suis là jusqu'à... Allez, 23h et peut-être minuit si vous êtes sage. On trouve les médecins dans la plupart des colonies. Oui, forcément qu'il y aura des médecins dans mes colonies, c'est moi qui ai développé toutes les colonies. Forcément. Quand tu développes tout le bousin, ça marche tout de suite. Alors. Du coup. Voyons cet appartement de Charleston. Vous avez compris, soyez sage. C'est ça. Ah gosh. Toujours sage avec toi. Oui, grave, oui. La même personne sage qui n'hésitera pas une seule seconde à me remettre une couche à l'incendiaire dans la gueule si je suis déjà au sol. C'est ça être sage pour toi. Bravo. Ça fait toi un mauvais être humain, encore une fois. J'aime ça. Le comportement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je vous entends penser. Alors, trouver l'atelier. D'accord, donc déjà de base... Ça veut dire que... Oh, c'est joli. Ah, la radio, elle est où? Et où la radio? Parce que le problème de la radio, c'est que tant qu'elle est là, c'est moi qui suis dans la merde, en fait. On va empêcher le copyright. Bon, dommage. Plus qu'à prier qu'ils ne l'entendent pas, sinon je suis mal. Alors surtout quand ça fait 37 jours que je suis tout seul dans le clan. Oui, bon, voilà. Alors du coup, ça va être par là, du coup, par là. Du coup, pas par là, d'accord. Alors du coup, à l'étage, la radio, forcément. Mais elle va me rendre fou, cette radio, elle est où? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ok, donc je peux faire ce que je veux ici. D'accord. Et c'est genre une colonie au sens classique du terme? Ah non, c'est comme l'autre appartement. D'accord. Et il y a 4 niveaux.
Ah, ça y est, elle est là. Chut, voilà. Ok. Oh, c'est... Oh, c'est classieux. Oh là 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 là, classieux. Oh là 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 là. Ah, y a un truc, hein. Ah, c'est goldé, hein. Ah, le... Oh là là. Oh, y'a même le PQ. Oh mon dieu, c'est civilisé. Y'a le PQ, la ventouse, y'a tout ce qu'il faut. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'était fusible. Du coup, il y a la boîte. Oh là là, c'est bien foutu. C'est bien foutu, c'est bien foutu. Oh, oh god. Oh là 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 là, Madeleine Diaz Dio. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh, le costume noir. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Oh là là, je la ferme. Là, ça, c'est beau. Ça, c'est du style. Oh là 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 là. Du coup, toujours le PQ. Des munitions pas loin des lits des gosses. Oui, oui, non, mais c'est... Oh bah, oh bah, oh bah. C'est le placard, c'est ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Très bien. Par contre, rien dans les... Non, je suis déçu, là, par contre. Oh là 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 là. Le casier. Un présentoir à figurines. Tout ça pour les munitions. Des munitions qui traînent, hein, d'ailleurs. Excellent. Excellent, excellent. Oh là 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 là. Comment ça a été bien foutu. Oh, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et t'as même un accès sur le dessus. Oh là 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 là. On te dérange pas plus, hein. Et bonne pêche, hein. Bon, ouais, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est beau. Bon, du coup, on va fermer les portes au fur et à mesure. Ah, mon dieu. Ah, le coffre-fort qui a été pensé et tout. Oh là 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 là. Oh, toi, t'es... Non, viens là. Voilà. On va pas se permettre de faire la fine bouche. On sait jamais ce qui pourrait être utile. Porte revue. Oh là 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 là. Oh, que c'est beau. Il y a tellement de choses que je pourrais faire. Oh god. Oh god, oh god. Bon. Bien, écoutez. Ouais. Il y aura des choses à faire ici. Il y aura des choses à faire. Non. Non, j'ai pas demandé ça, mec. Non, non, non. Voilà. Ferme-moi ça. Et hop, nickel. Il n'y a plus qu'à se barrer maintenant. Fermez les portes tout de même. Pas parce que la porte est à moitié pétée. Voilà. Des défenses seront quand même indispensables devant la porte d'entrée. Hein. Non pas que j'ai pas confiance, mais j'ai pas confiance. On va pas se mentir. On va pas être con non plus. Là, Over, c'est pas un épisode, ou alors sinon tu fais un épisode de 1h30. Non, tu vois, je me vois bien faire un petit épisode un petit peu. Je réarrange l'appart. Et je vous présente ma baraque, tu vois, genre ma petite villa au beau milieu de Boston, tout ça. Ça pourrait être sympa, hein. Donc ça pourrait prendre du temps, effectivement, mais ça pourrait être classe. Et salut Ciel Wolf, comment ça va? Ok, donc l'appartement, c'est fait. Ensuite, Bobby, on s'en fout. Jack Cabot, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ok, ça, on s'en fout. Il nous reste plus que ce que veut Atom et le chasseur Renégat. Très bien. So. Dans l'ordre, je vais me vider à l'abri 88. Abri 88, qu'il va falloir que je commence à développer. Pourquoi pas une mini-série, comme pour ton usine de munitions Steampacks. C'est vrai que t'es pas con, Corve, là-dessus, parce que c'est vrai que de base, je vous avais dit qu'il fallait que je travaille à développer donc l'usine, effectivement, que je pouvais faire des épisodes où je présenterais du coup l'usine que j'avais fait. C'est vrai, j'avais zappé ça. Mais d'abord, il faut que je la construise, cette usine, et je n'arrive pas à maîtriser ça. Là, en fait, ce que vous voyez, certains vont peut-être penser que je tourne en rond. En réalité, non.
Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai besoin de réarmer, là. J'ai besoin de refaire le plein de munitions, de steampacks, etc., etc. Et j'ai besoin aussi de clarifier au maximum les quêtes, que je sois tranquille pour la suite. Là, je vais revenir à Far Harbor après. Je vais relinker vers l'abri 88. Merde. La ferme des Finch. Bon, tu me diras. Évidemment. Hop, la ferme des Finch, elle est où? Elle est au sud-est? Elle est où? Elle est là-bas. Va falloir que je m'occupe de mes colonies, elles sont un peu dans un sale état, effectivement. Dès que j'aurai fini de m'occuper de mes, de ces missions, que j'aurai réaligné sur l'abri 88 toutes mes productions, va falloir que je crée effectivement l'abri 88 tel que je devais le faire, et donc, effectivement, de mettre en place l'usine d'armement que je voulais. Une fois que ce sera fait, on sera enfin tranquille. Genre un peu RP, style, tu mets les armes dedans, tu vides les munes, tu gardes que les munes que tu veux utiliser. Oui, alors vraiment aller jusqu'au bout, tu vois, enfin c'est ça que tu veux dire. Une armurerie, au sens littéral du terme. Genre les armes, les munitions à côté, etc., etc. Genre une vraiment l'armurerie, quoi, le stock d'armes de la garde nationale. Ok, je vais mourir. Oh, attends. Ouah, d'où tu frappes la vache? D'où tu te veux? Non. Oh, hé, mec, on t'a dit c'était pas Aram. Oh non, mais attends. D'où qu'on touche à Gisèle. Allez, dégage. Voilà. Bon, suivant. Ah mais mais c'est qu'il y a du monde. On va s'entendre, vous et moi. Oh, quoi que. Hop. Aïe. Tu dégages. Aïe. Oh non, pas la grenade, c'est pas drôle, on commence à peine à s'amuser. Wouh! Attends mon grand, je sais pas qui m'a tiré dessus mais... Tu crois pas, non, je crois pas. Tu dégages mon gars. Je suis chaud au cul, moi, avec cette affaire. Et... Oh, la tête! Elle est bien partie, la tête. On a pas marre. On va s'en sortir. Restez calme. Elle aurait voulu. Ah non! Ah non! Oh con! Oh non! Le mec, non mais sérieusement, il était en train de combattre deux autres mecs, il est sur le point de mourir, il est là. Tiens, je vais passer au fusil d'assaut. Mais qui je vais attaquer? La menace la plus directe. Tuit. Non mais... Agad. Oh là là, j'avais esquivé un missile en plus, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, on parlait de la lame de Pikmin, effectivement, il faudrait peut-être que je l'utilise. Par contre, où est-ce qu'il m'a fait sauvegarder? Je n'en ai pas la moindre idée. Eh ben là, forcément. Ben oui, effectivement. C'est logique. Ok, il s'agit d'être rapide, clair, précis. Pourquoi tu mets pas un équipement meilleur? Mais j'ai un équipement de qualité, cher ami. C'est à la rigueur, par contre, ma protection balistique qui laisse à désirer. Mais c'est que je l'aime bien, moi, ma tenue. C'est ça le souci. Je l'aime bien, ma tenue des miliciens. Mais j'ai trouvé une petite armure que je vais prendre avant d'aller à Far Harbor. Ça devrait pas mal me changer les choses. Faudra juste que je change un petit peu son matos. Ça, c'est un petit détail.
D'ailleurs, j'aurais pu la prendre avant de partir. J'ai été con. Bon, si je meurs, je sais quoi prendre. On va faire comme ça. Ah, faut pas être... Faut pas être pressé, hein. Là. 8. Ok, sauvegarde rapide. Très bien, tout va bien se passer. Aïe. Ok, viens par là toi. Ah oui, ça c'est fait. Ensuite. Ensuite, où es-tu? Terrible marmaille. Eh ben alors, tu m'attends? Aïe. Pas la moustache. J'en ai marre. Protection balistique de merde. Bon, c'est bon. Ben, j'avoue, faut que j'arrête les conneries. Ok. Je vais prendre une armure. Ok, c'est bon, j'ai compris, j'arrête les frais. Ah mais non, j'avais sauvegardé avant. Ok, bon, prochaine fois alors. Promis, pas taper. Hop, du coup, tiens, pas par là toi. Non, c'est un habitant, on s'en fout, très bien. Alors. C'était toi que je voulais. Une tête. Deux têtes. Voilà, ça c'est fait. De 1. De 2. De 3. Là, je suis à quelques minutes, on va dire que l'appart est présentable. Le mec assume pas. Oh mon dieu. Alors du coup. Ah, lui il est mort, d'accord, très bien. Alors. Et salut à toi Black Killer, bienvenue à bord. Petite sauvegarde. Ah, il a bougé. Oh, bravo, Over. Ah bah bravo, c'est propre. Ça panique. Bah bravo. C'était du propre, ça. Bon, plastron en métal. Réduit de 15% les dégâts infligés par les robots. Ça peut être intéressant. Ça aussi, il va falloir que je le fasse. Que je travaille le stuff. J'aurais pas des armes de merde, genre... Voilà, hein, on est d'accord. Ah, on est d'accord, hein, voilà. Ok, c'est bon. Appréciera la chère Bramine, le symbole du Commonwealth. La République de Nouvelle-Californie a l'ours à deux têtes. Eh bien, le Commonwealth a la Bramine à deux têtes. Voilà, chacun ses symboles. C'est beau. C'est magnifique, c'est un moment historique dans l'histoire du... Oh god. Bon, c'est bon, je peux rendre mes affaires. Ah, puis j'ai la colonie du mécaniste que j'ai pas développée. Oh god. Oh là là. Pff, j'ai tellement de taf à faire encore. Oh là là. County Crossing qui s'est cassé la gueule, dis donc. T'as l'extension Far Harbor. Black Killer, go sur YouTube. Je viens de le finir justement. Regarde la preuve, hein. Far Harbor. Coco, méchant. Je fais un énorme let's play dessus. J'ai fait pas mal d'épisodes. En tout cas, sur le let's play, je suis en train de le finir. Et ben là, moi, j'en suis. Voilà. La femme de Jack va arriver. Lui a dit que tu te fous de moi. T'as bloqué. Qu'est-ce que je voulais voir du coup? Oui, l'abri 88.
bien que d'aventure. Petit joueur, il reste le placard, il est sous le tapis, sous le lit. Les vrais strats des mecs pour faire semblant de faire les ménages. Vous êtes irrécupérables, les gars. Vous êtes irrécupérables. Bon, du coup, je vais me vider. Toujours important de se vider avant de partir en voyage. Je vais voir si je peux récupérer des pièces d'abord, plutôt. Hop, sur les armes de fortune, je récupère quoi avec ça? La vis, hein. La vis, c'est utile sur les pistolets de base. Over, oui. Over, je suis pigeon. Oh, bordel, t'as pigeonné sur quoi encore? Et Nuka World, plutôt. Oui, j'ai tout, Black. Je suis un fanatique. Je vais me prendre Slime Rancher. Ah oui, effectivement, tu pigeonnes, mon grand. Alors, du coup, je vais pouvoir récupérer ça. Oh, beaucoup d'engrenages. Propre. Propre. Du cuivre, intéressant. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Plastique. Circuit imprimé. Oh, ça, c'est intéressant, effectivement. Du cuivre, ça c'est cool pour les munitions, le cuivre. Il est trop bien de ouf. Non mais il est bien. Mais il est plus de première jeunesse maintenant. Sauf erreur. Alors la lame de Pikman. Lame furtive. Dégâts d'attaque furtive améliorée. Ah mais oui, furtive, je suis con. Bah oui, forcément. Bah oui. Bah oui, forcément. Bah oui, bah oui. Réfléchis, Over. Réfléchis. Je le fais vite. Ah, ça doit être drôle de te voir étrangulé par ta femme. On doit bien rire. 1.0 est arrivé il n'y a pas longtemps. D'accord. Bah écoute. Établi d'armure. Qu'est-ce que j'ai comme armure? Pillard. Juste de l'acier, on s'en fout. Fait de l'acier. Et de l'acier. De l'acier. Lui, on peut pas le récupérer. Ok. Je te conseille le lance-napalm. Si c'est pas le lance-flamme, tu parles peut-être d'une arme qu'il y aura dans Nuka World. Et Nuka World, je ne l'ai pas encore tout de suite. Tu vas m'engueuler pour mon retard. Encore. Courage, mon grand. Bonne soirée à toi. Dans les armes, je peux déposer ça. Ok, alors oui, c'était l'armure que je voulais prendre. Et ouais, on va déposer ça du coup, très bien. Et du coup, donc j'ai l'armure du mécaniste, effectivement. Il y a le bouclier d'Acadia. C'est pas lui que je vais prendre. Ce qu'il va me falloir, ça va être... Le costume de Grognac. Ah, c'est bon. Ah, des bons souvenirs. Des bons souvenirs du let's play, ça. J'ai accumulé un peu de matos, quand même. Hein. On va pas se mentir. C'est pas dans Nuka World. Alors, c'est que j'ai dû le rater. J'ai dû le rater. Pourrais-tu m'en dire plus, camarade? Ah, voilà. L'armure de marine. L'armure de marine. De marine. De marine. De marine. Très bien. Alors... Tenue. Brassard gauche. Plastron. Jambière gauche. Jambière droite. Casque. Écoute, ça a un style. Et il manque un truc. De marine. Ah ben voilà, casque tactique de marine. Très bien. Combinaison de plongée de marine, ouais, si tu veux. Une combinaison spatiale. Mais je la sors d'où? Oh là là, mais j'ai du matos, je sais plus d'où je sors ça. C'est terrible les amis, c'est terrible. Marine. Bah, j'ai vu de la marine. Non? C'est moins reconnaissable en plus pourtant. Et voilà.
Là, voilà. Du coup, on a l'uniforme de général. Ok, super. Plastron en métal. Il me manque la moitié du matos. Ah, j'abuse. Non, franchement, j'abuse. Tac. Le casque. Oh là, attends, vas-y. Oh là 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 là, ça fait alien quand même. Hein. Et avec le casque non. Casque d'armure. Ah là là, c'est beau. Ah, c'est classe. Non, c'est bon, je suis bien équipé. Ah, il y a un petit air de Fallout New Vegas quand même. Alors du coup, c'est un lance-flamme longue portée, c'est une modif du lance-flamme. Cap ou pas cap? Bah, c'est pas une question de pas cap, c'est une question que le lance-flamme, c'est assez chiant à gérer. Hein. Écoute, je dois avoir ça en stock. Avec toutes les armes que j'ai, je dois bien avoir un lance-flamme. Viens voir. Lance-flamme, je dois voir ça. Ah, tiens, qu'est-ce que je te disais? Oui, je porte trop de choses. Une partie du matos que vous coltinez? Non, je garde tout. Du coup, en tenue, il me faut donc bras droit du robot, ça tu peux. Hein, casque tactique. Je garde. Hein, donc du coup, ça, on garde. Uniforme de général, hop, ça va aller là. Super, très bien. Plastron en métal, on va mettre ça là. Très bien, toute la tenue est là. J'ai mon sac derrière pour les munitions. On est bon. Voilà, magnifique. Je voulais voir quoi? Oui, le lance-flamme. J'ai pris un lance-flamme, sauf erreur. Alors, lance-flamme. Dégâts excellents. Écoute. Note. Canon standard. Canon long. C'est propre. Réservoir à propergol standard. Capacité en munitions. Vitesse de rechargement médiocre. Bien. Buse standard. Buse de compression. Buse de vaporisation. Écoute. Magnifique. Tu auras Diamond City? Ah non, j'ai besoin de Diamond City. Oh, je vais pas toucher à Diamond City. Tweet. J'avais pas baissé. Qu'est-ce qui est aussi lourd? Ok, il coûte 30 le coco, mais quand même, qu'est-ce que j'ai de si lourd? C'est ma tenue qui serait aussi lourde. Ce serait mon matos qui serait aussi lourd, ce serait étonnant. Tiens d'ailleurs au passage, établi d'armure. Je peux modifier, d'accord, bon on s'en fout. Ensuite, armure de marine de Devo, d'accord. Armure de marine de doctrinaire. Bizarre leur truc. Alors, est-ce que je peux rajouter des poches? Augmente la charge. Cool. Je peux rajouter ça. Ensuite. Ouais. Assaut. Augmenter mes poches. Excellent. Je vais manquer d'adhésif pour le reste, mais ça devrait m'aider un petit peu normalement. Non? Si? Non? Quel point ça m'aide? Je suis à 360, ce sera assez pour me vider du bric-à-brac que j'ai d'accumuler. Dans un endroit pareil, sans perdre la boule. Ah, tu dis ça parce que t'es habitué aux grands espaces, Longfellow. La sécurité souterraine, ça a du bon aussi, crois-moi. Mais, je suis un peu con. Tout bêtement. Ah, c'est vraiment... Attends, les modes aussi, quand même. Voilà. Ça me fait un tout petit peu de place. Mais effectivement, c'est mon matos d'armure qui est hyper lourd. Hein. Ah, ça déconne zéro. Hein. C'est vraiment lourd, le matos. Hein. Oh là là.
pas pouvoir choper grand chose avec ces conneries. Surtout avec lui qui me prend 30. Ah, c'est sûr que tu fais des bons barbecues avec le lance-flammes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On est totalement d'accord. Il faut pouvoir aller choper les cocos. Écoute ce que veut Atom. Hop. Je vais retourner à Far Harbor. De toute façon, il est temps que je me fasse le plein de matos. Allez, on va faire comme ça. On va tester le napalm, et puis si c'est marrant, écoute, on va le garder, pourquoi pas. Sépare-toi de la batte et améliore la lame, over. Non. Je me séparerai pas de mon home run. Non. C'est ma batte, c'est mes home run. J'en ai trop besoin, tu comprends, Sakorf? J'en ai besoin. Ah, mon dieu. De toute façon, il faut que je trouve surtout de l'adhésif. Et avec tout l'adhésif que je pourrais trouver, je vais pouvoir faire des poches sur chaque niveau d'équipement de mon armure et je vais gagner en poids maximal. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Alors, je voulais aller... C'est une bonne question. Prends la batte de Hover et lui fais un home run en pleine poire. Voilà, prochaine fois, tu t'en sépareras. Même pas peur. Même pas peur, même pas peur. Du coup, je vais... Je vais faire un truc de sympa. Pour les radiations, hein, du coup, forcément. Forcément, forcément. Alors, au passage, je vais en profiter pour maximiser un petit peu tout le bousin. Toutes mes colonies, je vais les rediriger vers l'abri 88, qui sera mon centre ultime de production. Oups. Non mais je comprends pas. C'est pas là qu'a mené Longfellow, non? Ça suffit de se planquer. Oui, c'est par là. Oui, oui, ça va être par là. Eh ben. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oh. Mais test on a pas. Oui, oui, attendez. Il y a d'autres choses que des ghouls pour ça. Hein. Oh, Black Killer. Bah écoute, on verra bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, non, c'est pas ça que je comprends. Il est un peu con l'ordi. Nickel. Je suppose que le seul colon que j'ai, c'est lui. Et... Je suis censé avoir un colon, mais je sais pas où il est. Parce que ça a pas l'air d'être lui, toute évidence. Ça a pas l'air d'être lui, Écoute, je pense qu'il est grand temps, puisque j'ai gagné la confiance de Longfellow, d'arrêter ma coopération avec lui. Hey. T'auras été génial. Mais... Attendez là. Les vieux os se reposeraient. Attends. Il vous faut quelque chose, Captain. Je vais te renvoyer. Il est temps de nous séparer. Comme vous voudrez, Captain. Passez prendre un verre avec moi un de ces jours. Vous me raconterez ce que j'ai raté. Ok, maintenant tu vas aller du coup au chalet de Longfellow. Hein, tu vas aller chez toi. Voilà, super. Et donc du coup... Voilà, et toi je peux te donner l'ordre... d'aller...
D'aller. Ah oui, 88. Parfait. Donc du coup, puisque tu vas à l'abri 88, maintenant j'ai accès aux ressources de l'abri 88. Et je vais pouvoir... Voilà, tout à fait. Et donc du coup, je vais pouvoir... développer un tout petit peu la base. Il va me falloir donc de l'électricité. Hop. La tourelle. Le gestionnaire. Hop, très bien. Tac, 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 tac. Très bien. Le reste de la gestion, on verra ça en détail un petit peu plus tard. C'est pas ce qui urge. Très bien. Donc lui, c'est bon. Il va pouvoir grandir. Maintenant, on va à l'office du tourisme. On va faire toutes les colonies. Et une fois que toutes les colonies seront reliées, je vais aller d'abord aux enfants d'atomes, voir les missions que je peux faire et au passage leur chourer un maximum de matos. Comment ça, Mika, au passage? Fais ce lieu une prison. Alors, je sais pas si tu voulais dire faire de ce lieu une prison. Mais pourquoi? Avec quel prisonnier? J'en ai pas. Ok, balise de recrutement, j'avais quelqu'un ici, super. Comment je m'étais démerdé ici déjà? Je crois bien que j'avais envoyé quelqu'un. Perçu professionnel. Caravanier. Révoquer de l'emploi actuel. 1. Bien pratique ce terminal de gestion du personnel. Ok, super. Donc maintenant, il va me falloir un nouveau. Veur prisonnier, quelle est cette hérésie? Je suis prisonnier de mes fails, mon cher ami. Tel a toujours été mon problème. Du coup, j'envoie quelqu'un à l'abri 88. On confirme. Confirmé par la meumeu, on est d'accord. Très bien. Du coup, il me faut quelqu'un. Du coup, faut que j'aille à la ferme des Dalton aussi. Pas trop mal avec la tempête, je suis requinqué. Ah oui, ça a bien pété dehors. Ça va bientôt se calmer, je pense, hein, même d'ailleurs. C'était pas de trop, effectivement. Hop. Projet de quête ici. Oh, est-ce que... Ça a l'air de bien pousser. Yes. Pouvoir développer un petit peu. Voilà, je vais pouvoir développer un petit peu les récoltes et l'agriculture sur l'île. Car oui, je suis un grand leader. Je ne résiste jamais à une occasion de me faire du pognon. De développer l'Empire. Mettre dans un cadre. T'as un diplôme officieux de master. Diplôme officieux, on me l'avait jamais fait celle-là. Si, j'avais fait un terminal. Ah, les temps sont durs. Oui, vous en faites pas, je ferai un bon truc plus tard. Alors. Heureux, Black. Oui, du travail, et pas sur professionnel. Garde, récupérateur, et bricolage. Ah, il y a donc personne en charge justement des voyages. T'es parti m'abonner. Oh, t'es adorable. J'espère vraiment que tu apprécieras ce que tu verras. N'hésite vraiment pas à commenter hein, d'ailleurs. Faut se faire plaisir les enfants. Faut se faire plaisir. Évidemment, si vous aimez ce que vous voyez, pensez à nous rejoindre sur Twitter, pensez à parler de nous autour de vous, à aller sur le Discord pour découvrir la commu. Bref, il y a plein de choses à faire avec la communauté pirate que j'ai avec le Capitaine. Profitez-en, les enfants. Ok, tu n'as pas répondu. Explique-moi, Over. Je comprends pas pourquoi tu
en envoie un et pas tous. Parce que je n'envoie qu'un caravanier à l'abri 88 pour avoir un contact, avoir accès aux ressources de l'abri 88. En fait, toutes les routes mènent à l'abri 88 et tout ce que je vais ramasser comme stuff, je vais le centraliser à l'abri 88. Donc de toute façon, le meilleur moyen que j'ai de faire le plein, c'est de passer par l'abri 88. Non, je gagne pas. Magnifique en tout cas cet armure. Magnifique, mais c'était pas... Non, j'en gagne pas plus. Bon, dommage. Que l'on nous refourgue un an après avoir obtenu... Oh, d'accord. Un diplôme qui n'est pas un diplôme. On me l'avait jamais fait celle-là. Je compatis, Mika. Tiens, je vais planter quand même les tomates. Source, nourriture, blessure. Hein. On est d'accord. Ah bah du coup j'ai accès aux carottes. Tu vois, regarde ce que je disais. Maintenant qu'il y a la route avec l'abri 88, j'ai accès à tous les stocks de ressources. Et j'avais pas tant de pommade que ça au final hein. C'est pas plus mal que je développe les que je développe l'agriculture. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre. Donc le noyau ce sera là-bas et du coup, il me reste la scierie d'Écoleïque. Après, je peux aller voir les enfants d'Atome, je vais faire leur quête vite fait. Une fois les quêtes faites, ben pas grand-chose d'autre à faire. J'ai tout centralisé, les enfants d'Atome, j'ai les petites quêtes sympas. Il y a Preston avec qui je peux rendre une quête pour me faire un peu de pognon éventuellement, mais pour la mise à part, ça va pas être folichon. Anyway, pour mon cosplay d'Asura, le Hakama est terminé, d'accord? Le Hakama, pardon. Il ne me reste que la perruque. Propre, propre, propre. Commencer à faire une base pour ton usine. Ben justement. C'est ce sur quoi je travaille, mon grand. C'est ce sur quoi je travaille. Oh là là, et puis il y a. Oh là là, et puis il y a tout ça à vider. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Bon. J'avais rien fait à Echo Lake. Je crois que j'avais rien fait à Echo Lake. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à Echo Lake. On m'a dit en commentaire que l'atelier était dans les gradins. Si ce n'est dans les gradins, je suppose derrière les gradins, peut-être. Bonne question. Je fais ce que je peux pour survivre. On en est tous là, mon grand. Des choses nous guettent dans le brouillard. Oui, c'est... oui, 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 évidemment, évidemment. Oh là là, il y a trop de stuff. Je sais pas si je vais résister. Il y a tellement de stuff à récupérer. Oh là 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 là. Oh. Excellent. Je vois pas d'atelier. Hein. Il voit pas d'atelier. Il est où ce con d'atelier? Et merci à toi Imbra pour le follow, bienvenue à bord. Mais Fallout, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à le regarder sur YouTube par rapport à tes lives. Pourrais-tu me dire pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Ou alors qui te gêne pas, dans le sens où j'aime moins quand c'est sur YouTube. Pourquoi donc? Je vais voir si je peux pas bricoler. Il fait 23 degrés, pauvre chou. Alors comment je peux accéder au matos? Comment je peux avoir accès au matos? C'est pas logique. C'est pas logique que j'ai accès au matos.
C'est pas logique que j'ai accès au matos. C'est étrange que j'ai accès au matos. J'ai dû faire une... J'ai dû faire quelque chose hein, sans m'en rendre compte. Voyons voir. Et salut à toi Nelk, comment ça? Pas mal d'intro Fallout sur tes vidéos. Merci Black, c'est gentil. Tu peux remercier le Captain, c'est lui qui l'a fait. Naha! J'ai un caravanier, je m'en doutais. Aucun job disponible, révoque. Je pense savoir où est-ce qu'il est allé, mais bon, dans le doute. Révoquer l'emploi actuel. De 1. Déjà, pas d'interaction en direct, on va dire, entre parenthèses, même si sur YouTube elle y est. Au moins, t'es honnête. Je te remercie de préciser qu'il y en a malgré tout. Mais je sais pas si t'as l'air beaucoup trop sérieux dans le let's play. J'ai l'impression de pas avoir le même over entre live et YouTube. Ça par contre c'est possible. Et c'est pour ça que je préfère YouTube au live. Parce que quand je suis sur YouTube, il y a moi et le record. Je suis dans mon truc et je vous partage quelque chose. Quand tu es en live, c'est pas pareil. Parce que les personnes sont en direct là tout de suite à la seconde et tu dois te battre pour garder l'intérêt de la personne. Tu vois, il faut que tu restes dans le truc sans massacrer le micro par exemple. Il faut vraiment que tu restes dedans. Et quand tu n'as pas cette pression, sur YouTube c'est différent. Justement, parce que t'es plus calme, t'es plus posé, t'as le temps de... Voilà, là il y a des moments, par exemple, surtout sur Fallout, quand tu as les temps de chargement, sur les vidéos, vous les avez pas, vous, les temps de chargement. Mais quand je dois aller d'un point A à un point B et que je dois passer par je sais pas combien de points de chargement, mais parfois il y a 3-4 minutes où je dis rien. Et il n'y a rien à dire, parce que tu te fais chier comme un rat mort. Il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi. C'est pour ça qu'entre YouTube et Twitch, je vais préférer YouTube, tu vois. Du coup, lui, je l'ai fait. Ça, c'est bon. Nickel. Alors, toi, le In the Navy, tu vas à l'abri 88. Tu confirmes. T'as confirmé. Très bien. Ok. Ce matos à récupérer ici, c'est dingue. Le brouillard, il est dangereux, compris? Edson, mais c'est bien l'émission. Oui, c'est l'émission que je vais faire là justement. Alors, bah, du coup, je vais aller au noyau. Juste avant, je vais pas pouvoir beaucoup me remplir, mais il va falloir. Alors, ah, moi je préfère Twitch car aussi on voit tout ce que tu fais par rapport à YouTube, je dirais. Bah ouais, mais j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à YouTube? C'est une vraie question. Parce que là, par exemple, bah, t'as un temps de chargement. Ça, vous l'avez pas pendant les let's play YouTube. Par exemple. Je vois ce que tu veux dire. Hein. Je vois très bien ce que tu veux dire, Corv. Mais après, moi, je me suis simplifié la vie. Parce que quand je live avec vous, c'est pour passer un moment avec vous. Simple as that, donc moi je le vis très bien, tu vois, c'est pas... je fais mon truc, que ça plaise ou non, je sais très bien que je suis pas le seul à faire du contenu là-dessus, donc s'il y en a qui veulent, ils seront très bien trouvés. Tout ce que je le fais pour continuer le let's play sur YouTube, donc moi je le vis très bien, ça me dérange pas, mais... J'ai pas... Alors, merci à toi, Watius, pour le follow, c'est très gentil. Je me demande où l'expression se faire chier comme un rat mort. Faudrait demander à un rat mort. Mais étant donné qu'il est mort, ça va être compliqué qu'il réponde. Oui, ma blague était nulle à chier. Alors, Over, c'est juste une petite critique. Oh mon dieu, une critique. Tu peux mettre des mots-clés dans les titres de tes épisodes Fallout 4, car c'est un peu dur de s'y retrouver. C'est juste une remarque. Mais sinon, tu es super. Alors, je te fais des gros bisous, Enaelk. Merci infiniment pour ton commentaire. Si tu observes, dans les 20 premiers épisodes, j'avais mis des mots-clés. Si ce format de nom d'épisode vous branche, ça me dérange pas de
prendre la peine de renommer tous les épisodes pour prendre en compte la chose que je vois à chaque fois. Si vous le souhaitez. Moi, ça me dérange pas, ça peut vous aider, vous, à vous retrouver. Effectivement. Ça, c'est mort, effectivement. Bon, du coup, j'ai rapporté la paix auprès des enfants d'Atome. Du coup, le dévo, where? On va prendre les quêtes. Signe. Donne-moi. Donne-moi un signe. Oui. Que toutes mes prières vont vers toi, Atome. Oui. Merci. Vous n'avez pas eu de nouvelles de sœur Cassandra, par hasard? Non. Va au métro, Satanas, dude. Qu'est-ce qu'Atome peut bien avoir à faire d'un petit quai de rien du tout, de toute façon? Pharah, charmant. On n'a qu'à le garder. Charmant, charmant. Bonjour, sœur May. Excusez-moi. Je me demandais quand j'aurais la chance de faire votre connaissance. Je suis sœur May. On dit que c'est vous qui avez reçu les faveurs de la mère du brouillard. Vous tout à fait, sœur May. En quoi consiste le test de loyauté du grand dévot, par hasard? Un test de loyauté. Cassadias, que ceci. Loyauté. Oui. On a vu Richter partir avec deux de nos membres. Et il n'y en a qu'un seul qui est revenu. C'était à peu près au moment de votre arrivée. Je me suis dit qu'il y avait des chances que vous ayez tout vu. Si, je l'ai vu. Écoutez, c'est une leçon qu'il vaut mieux intégrer le plus vite possible. La confiance, c'est très important dans notre famille. Nos membres doivent apprendre à éviter les ennuis. Restez dans les bonnes grâces du grand confesseur et tout ira bien. À part ça, vous avez besoin de quelque chose? Et si le rayonnement vous dérange, je peux vous aider à vous en purger aussi. Attends, les enfants d'Atome vénèrent à les radiations et elle est grosso modo en train de me dire qu'elle peut me soigner des radiations? C'est pas un petit peu de l'hérésie qu'elle vous nous fait? Vous pouvoir m'aider à me purger du rayonnement? Ah oui, la plupart des nôtres ne craignent pas le rayonnement, mais Atome est un peu capricieux quand il s'agit de décider à qui il offre sa bénédiction. Donc on garde toujours des médicaments anti-radiation sous la main, au cas où. La plupart des gens d'ici, dont le haut confesseur, considèrent cela comme une sorte de pénitence. Purgez-vous et embrassez à nouveau le rayonnement. Vous voulez jeter un coup d'œil à ce que je vends? Oui, je t'ai des soins. On ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. De l'acier de... Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh du cuivre! Oh là là! Oh putain, Polo, je l'ai eu! Oh là là pour les munitions! Oh putain, Polo! Oh putain, Polo, je regrette pas! Alors, toutes les bastos, très bien. La calibre 12, bien évidemment. J'ai du pognon, je peux me l'acheter, je m'en fous. Plus la fusion, non, peut-être pas. Vous auriez pas des Skittles? Ah, des Skittles! Ah, les Skittles! Et j'ai le droit, je me suis fait plein de pognon dans les dernières quêtes. Aucun commentaire. Voilà. Non, mais... Je... Oui, voilà, c'est ça que je veux. Merci. Non, des Skittles! Mais au final, il n'y avait pas de quête! Sœur May. Je n'imagine pas la révélation que le grand confesseur a dû connaître pour qu'il renonce à annihiler Pharah Arbor. Bref, je vous montre ce que j'ai en stack. Mais tu voulais pas... Bien sûr. Je me demandais si vous aviez besoin d'aide. Eh bien, j'ai, comme qui dirait, un projet au point mort. Vous avez dû voir les anciennes arches de décontamination en arrivant, non? Ça fait un moment que j'essaie de les réparer, mais j'ai un sérieux problème. J'ai besoin d'un régulateur de pompe avec une sacrée résonance magnétique. Un modèle industriel, en gros. Et s'il y a un endroit sur cette île où on a une chance d'en trouver un, c'est l'usine Vimpop. Le problème, c'est qu'elle grouille de mutants. Mais si ça vous tente, je saurai vous récompenser. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, y a pas de problème. Ah oui, j'ai trouvé le régulateur pendant la quête. Je crois que je l'ai déjà. Vous en saurez plus sur YouTube. Ouais, fantastique. Le régulateur devrait parfaitement s'insérer dans l'appareil en bas. Et mon système de contournement des filtres devrait faire le reste. Sauf erreur de ma part, ces arches devraient bientôt vaporiser de l'eau irradiée à point pour tous les enfants d'Atome. Et comme je n'y serais pas arrivée sans votre aide, je me disais que vous méritiez de baptiser ce petit bijou. Vous voulez brancher la dernière pièce? Vous voulez bien l'allumer? J'aime l'argent. J'ai pris énormément de risques pour vous rapporter ce truc. Je crois bien avoir mérité quelques capsules. Ça me semble honnête. Je peux vous en donner, disons, 150. J'aime l'argent. Si vous aviez vu cet endroit, vous auriez honte de me proposer si peu.
Il y avait des mutants du sol au plafond. Mince, carrément. Bon, d'accord. Va pour 250. J'aime vraiment l'argent. J'ai l'impression que vous avez du mal à saisir ce que j'ai dû endurer. Je ne vous ai pas encore parlé de l'odeur, si ? D'accord, d'accord. Voilà 350, mais c'est tout ce que j'ai. Bien, bien, ben voilà ! Bien sûr. Voilà. On peut discuter. Excellent. La pompe est dans la baie. Ça devrait être simple comme bonjour. Tenez, au fait, pour ce que vous avez fait. Conversion radicale. Ignore 30% de la résistance de la cible aux dégâts et l'énergie. Oh là 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 ! Madre Dios ! Loué soit le redneck. Oh là 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 là. Oh mon dieu que c'est beau. Ah oh, que c'est beau. Comment c'est ablution. Oh là là. Oh mais du coup je vais... Ablution, c'est quoi cette mission? Ah c'est le régulateur. Bah oui c'est par là. Par là, non? C'est pas ici? C'est pas... Ah, c'est en dessous! La chaîne n'a pas trop décollé, c'est dommage de notre côté, c'est tellement difficile de percer sur Twitch. Salut à toi, Xenox! Genox, pardon. Sur Twitch, en ce moment, ça va pas être possible de beaucoup progresser, hein, on va pas se mentir. J'espère que tu vas bien au passage. C'est surtout sur YouTube qu'on progresse. Excusez-moi. Ah, where? Qu'est-ce que tu me veux? Je veux dire, gloire à... Oh, attendez. C'est vous qui venez de nous rejoindre, pas vrai? Ça va, ça va. Frère Devin. Un type a l'air malade qui prie tout seul dans son coin. Oui. Pourquoi cette question? Le frère Devin jeûne, vous voyez? Depuis un bon moment. Il mange plus rien et il boit que de l'eau irradiée. Il attend un signe d'atome. La plupart des gens diraient que c'est admirable de s'offrir à atome comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de me demander ce que j'en pense qu'un débile boive que de l'eau irradiée jusqu'à attendre un signe d'une divinité qui a explosé la gueule à ses ancêtres il y a 200 ans. C'est admirable. Par ses actes, il prouve vraiment sa dévotion. Personne prétend qu'il a pas de cran, bien sûr, mais... Écoutez, Devin et moi, on n'est pas nés avec la bénédiction d'atome, contrairement aux autres. Les radiations nous touchent. Maintenant, Devin pense que s'il jeûne et refuse tout traitement jusqu'à la mort, Atom lui enverra une révélation ou je ne sais pas quoi. J'ai bien essayé de lui parler, mais il veut plus m'écouter. Et je suis apparemment le seul ici à ne pas l'encourager à se laisser mourir. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais j'aimerais vraiment que vous essayiez de le faire changer d'avis. Je vous donnerai un traitement anti-radiation que j'ai concocté, avec la recette aussi. C'est vraiment pratique pour les gens comme nous. Alors... Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez bien aller lui parler de ma part? Une recette. D'accord. J'avoue que si j'ai un moyen d'avoir une recette anti-radiation, je prends. Il commence vraiment à avoir une sale tête. Sinon, tue le mec pour qu'il stoppe de se tuer. J'avoue. Play of the game, Genox. Bon, pour éviter qu'il ne meure, on va le tuer. Ouais. Les vrais strats des bourrins, les mecs. Ah, God. Bon. Merci d'être venu. Je suis sûr que je pourrai toujours compter sur vous. Atom. Oui. C'est creepy. Vous avez une sale tête. Oui. Merci. Vous aider. Salut. Saint Atom. D'ici, j'ai... Est-ce toi? Ouh, t'as une sale gueule. Oh, Atom. Oh, je suis désolé, mon frère. Je vous ai pris pour... Peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Revenir à la raison. Le dévot Ware m'a demandé de venir vous parler. Il a peur que ce jeune finisse par vous tuer. Vous devez recommencer à manger. Il demande aux autres de faire le sale boulot à sa place, hein? Dites-lui que je le remercie de sa sollicitude, mais je dois rester ici. Atom est venu à moi.
et je dois faire ce qu'il ordonne. Atome n'est pas... On va lui apprendre la vérité. Non, il est pas prêt. Non. Qu'est-ce qu'Atome vous a ordonné, au juste ? Il m'a dit que tout ce que j'ai à faire, c'est attendre le salut. Le jet m'a servi de béquille pendant des années. Un jour, j'étais en train de me détruire dans les bois, quand une silhouette est apparue dans le ciel. Un cerf verdoyant, baigné d'un rayonnement sacré. Il m'a ordonné de retourner au noyau, d'oublier mes mauvaises habitudes, et de me consacrer entièrement à Atome. En échange de ma dévotion, Atome m'enverrait un autre messager qui me libérerait de mes chaînes une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi je dois attendre, mon frère. Oh, c'est pas mal ça. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. C'est moi, ce messager que vous attendiez, et je viens vous libérer de vos chaînes. Voilà. Mais tout ça doit rester entre nous, d'accord ? C'est vrai ? Les chaînes, elles ont disparu. Elles ne sont plus là, hein ? Oh, merci. Merci, votre radiance. Et ne craignez rien, je n'en parlerai à personne. Oh. Ouais. Atome tout-puissant, merci. Ah, comme quoi, hein, trop forcé sur le jet, hein. Ah, la drogue, c'est à bout, on en viendra tous à bout, hein. Eh ben, mon cochon. Donc, en gros, Atome, c'est la bombe... Oui, tout à fait, Asanga. Les enfants d'Atome est une secte qui croit que ce qui va sauver le monde actuel, donc le Commonwealth, Terre Désolée, etc., va être le feu nucléaire. Ils considèrent que le atome, donc la molécule nucléaire, enfin l'atome quoi, à la base de la bombe nucléaire, la fission, permet en fait de libérer la population et de les ramener vers un monde nouveau. Traduction, pour eux, la renaissance va venir quand ils vont se faire atomiser la gueule. En attendant que ce jour vienne, ils s'atomisent à petit feu en s'exposant aux radiations déjà existantes. C'est une forme de logique à la Xenox. Pour rester en vie, je vais me tuer. Un petit peu mindfuck, mais c'est comme Marx. Marx avait pas fini le communisme. On allait trouver, on allait broder au fur et à mesure, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors, généralement, la plupart des gens se contentent de les buter. J'essaie de pas trop les buter parce qu'en général ils ont pas mal de stuff et vous me connaissez, je suis une pourriture, je me contente de vider les caisses de tout le monde. Juste merci Albert Einstein d'avoir détruit le monde et créé une secte grâce à ses recherches. On peut dire ça comme ça. Enfin, techniquement, il a découvert le concept Einstein, mais c'est l'équipe d'Oppenheimer qui a fait la bombe à fission. Vous souhaitez toujours remplir vos responsabilités auprès d'Atome ? J'ai encore du travail pour vous. C'est quoi ça C'est quoi sa quête ? C'est une affaire d'hérésie qui doit être réglée. Je la sens mal, sa question. Je la sens mal. Je la sens super mal, sa mission. Sauvegarde rapide. Genre même sauvegarde tout court. J'ai accepté sa mission. Il me propose quoi ? Excusez-moi, grand dévot. Vous souhaitez toujours remplir vos responsabilités auprès d'Atome ? J'ai encore du travail pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Je suis prêt à servir, grand dévot. Il y a une femme, l'une des nôtres. Ou du moins, elle l'était. Elle s'appelle Gwyneth. Mais elle s'est laissée corrompre par quelque chose... Et Gwyneth, pas le trop. ...d'obscur. Le confesseur a ordonné à la dévote Till de la suivre. Mais cette hérétique a réussi à lui échapper. Et maintenant, Gwyneth profane nos sites sacrés avec ses délires, n'hésitant pas à railler ouvertement Atome. Le grand confesseur veut que nous la retrouvions. Et que nous l'exécutions. Mon Dieu. Je la retrouverai, grand dévot. Bien. Allez voir la dévote Till. Elle devrait pouvoir vous aider à retrouver la trace de Gwyneth. Allez. Et dispensez le jugement d'Atome sur l'hérétique. Techniquement, étant donné que j'ai reçu la grande idole des enfants d'Atome... logique
effectivement, je peux faire style que je suis le messager, donc j'ai le droit de propager la sainte parole comme je le souhaite, et donc d'épargner la personne. Je suis donc pas nécessairement obligé de la buter. Le procès de Ferdevin. Le procès ? Comment ça, un procès ? Je viens de le sauver, il va pas se prendre un procès sur le cul. Je sauve pas les mecs pour qu'ils se prennent des procès, faut arrêter les mecs. Pardonnez-moi. Gloire à Atom, mon frère. J'imagine que c'est à vous que Rector a demandé d'aller à la source. Vous n'avez pas le regard vide, ni la bave aux lèvres. Alors, j'imagine que ça s'est bien passé. Quelle vision le Elle était hard, Janox, mais je te l'accorde. La mère du brouillard, vas-y, si tu veux. Elle m'a montré un petit hôtel. Le grand dévot m'a dit qu'il s'agissait de la mère du brouillard. Hein ? Vous avez vu la mère ? Mais comment... Enfin, ce n'est pas à nous de remettre en question les voix d'Atom. Si les autres... Oh, mais c'est quand même à l'air perché, la petite ! Les yeux écarquillés, injectés de sang... Mais c'est que vous êtes frappée de communisme, madame ! Mais c'est terrible ! C'est ce qui nous a mené à la guerre nucléaire, il y a 2 siècles ! C'est le grand dévot qui m'envoie. Dites-moi tout ce que vous pouvez sur la sœur Gwyneth. Très bien. Le grand dévot vous l'a sûrement déjà dit. Mais Gwyneth était autrefois un membre très dévoué de notre ordre. Malgré son humeur changeante, elle était très appréciée, en particulier par le grand dévot. Il l'aimait vraiment beaucoup. Du moins, jusqu'à ce qu'elle se détourne du saint atome. Ah ben, il aimait tellement qu'il veut la buter, donc forcément. Mais elle a toujours eu une longueur d'avance. J'ai honte d'admettre que j'ai échoué. C'est pas grave. Tant que je prends ta paix. Je trouverai sœur Gwyneth. Par la grâce d'Atome. J'espère que vous réussirez là où j'ai échoué. Vous devriez commencer par examiner les lieux sacrés. Vous trouverez peut-être un indice qui nous a échappé. Examiner les sites sacrés. Ok, très bien. Donc j'ai pris ça. Super. Chasseur renégat. Super, on s'en fout. Si, du coup, les ablutions. Où est-ce que je l'ai fait, ces ablutions ? Pardon, excusez-moi. Vous allez pénétrer dans le brouillard ? Oui, c'est ça. Sormaï vous fournira tout le matériel dont vous avez besoin. Oui, vous êtes mignon. Faut que ça se passe pour mettre le régulateur. Ça va être à l'étage du dessous ? Mais j'ai pas de moyen d'aller en dessous aussi. Je vais sauvegarder, puisque du coup j'ai pas d'autre moyen que de tomber. Oui, ça manquait de finesse, mais bon. J'ai le droit. Alors, voyons voir. Vous voyez l'endroit où doit venir loger le régulateur de pompe pour permettre à l'eau d'irradier et d'entrer directement dans le système. Vous remarquez le contournement de maille pour éviter les filtres. Un technicien aguerri pourrait l'inverser et cacher la réparation pour mettre en marche l'ancien système et permettre le nettoyage des radiations. Ouais, on va faire ça. Quel comportement intelligent ? Ah merde, j'ai pas l'intelligence, merde. Bon, bah écoute, j'installe la pompe. Dommage. Mettez facilement. La machine se met immédiatement en rouille. Ok. Voilà. TC système de conde. Oh là là. Pff, je vais me faire asperger de radiation, ça va être violent cette affaire. Ah god. Bon, c'est les enfants d'Atom, écoute. Faut d'ailleurs je l'évite de leur matos, hein, tant que j'y pense. Tant que j'y pense. Non ? Des champignons. Alors du coup, faut que je teste cette saloperie. Ouais, trop bien, plein de radiation. Bon, ça paie bien en pex, hein, tu me diras, mais bon. Genre... Quick. Voilà. J'avais qu'à le faire une fois, c'est bon. Nickel. Du coup, au niveau des quêtes qu'il me reste... L'hérétique. Ah non, on a le frère Devin. C'est quoi ces histoires de procès ? C'est quoi ce délire encore ? Qu'est-ce qu'il m'avait encore ? Voilà. Bon, il a vu la Vierge.
Atome tout puissant, vous avez besoin réussi. De lui faire un procès. Tenez, chaque fois que je préparerai du remède, vous pourrez en avoir. Et si je peux faire autre chose pour vous, dites-le-moi. Recette de la liqueur. Oh, ok. Liqueur de Wear. Vous auriez encore de votre mélange ? Il m'en reste plus là, mais repassez dans 2 jours et je devrais en avoir. Il vous fallait autre chose ? Non, rien, c'est bon. Du coup, je l'ai aidé, j'ai dû choper des ressources et la recette de la liqueur. Alors, voyons voir cette liqueur. Soin, liqueur de Wear. PV 100, radiation moins 100. Eh ben mon cochon, un truc qui soigne et qui enlève les radiations. En bref, un steam pack. Oh là 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 là. Ah, ça c'est beau. Tu vois, c'est la beauté du jeu. C'est la beauté des Bethesda. Quand tu fouilles tout en détail, tu fais les quêtes, t'es payé plus que de raison, quoi. Tu es douché, tu es saucé. C'est magnifique. Allez, bon, il faut que je finisse donc l'hérétique, qui est la dernière mission déjà. Ça va vite, hein, ça s'enchaîne. Pardon, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Docteur. Docteur, j'aime partager ma nourriture et mon argent. Ça me rend heureuse. C'est grave, docteur. Oui, madame. Vous êtes atteinte de communisme. Mais ça devrait aller après une bonne séance de torture. Aïe aïe. Le monde n'est pas fait de violence comme toi. Oh, mais c'est qu'on revient en arrière. Ça va, ce sera pas excessivement loin. Alors, on va faire une sauvegarde. Nickel. Allez hop, au boulot. Oula. Trop de radiation. Merci les enfants. Utulututut. Pas loin de la source, je crois bien. Mais vous avez le droit à l'humour noir, y a pas de mal. Y a pas de mal, c'est un jeu vidéo et de toute façon, d'après l'OMS, nous sommes tous des malades. Ben oui, c'est magnifique. Donc au point où on en est, autant se faire plaisir. Alors je vais tester cette liqueur qui doit être logiquement une drogue. Logiquement. Curieux. Oh, je vois les ingrédients. Parce que si c'est une liqueur style, c'est un truc médicinal qui ne fait pas de, qui ne crée pas de dépendance, on sera tranquille. Il faudrait plusieurs dizaines vu à quel point je les sauce, mais cool. Symbole hérétique. Des fragments de tissu arrachés d'une sorte de bannière. On dirait qu'il manque des morceaux. Ok, continuons. Genre par là. Communiste, suffit de nazi. Oui, enfin. J'ai envie de te répondre, mon cher Anelk, s'il n'y avait pas eu de totalitarisme tout court, on n'aurait pas eu de problème. Alors. Comment dire ? Ah ben tiens ! Ouais, c'est... Aïe! Aïe! Ah, tu dégages. Saleté. Par contre, il fait le taf, hein. Magnifique.
Non ? Tu veux rien me donner ? Ah si, tu veux me donner. Héhé. Allez, je vais chercher. Alors, hôtel de la crête rayonnante, un endroit que je ne connaissais pas, à toute évidence. Toujours autant de ressources, évidemment. Wake Take Station. D'accord. La station Waketak. Elle a dû dresser un campement pour se réfugier. Waketak. 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 Et on est pas loin. Ok. En tout cas, la voie est toute tracée. On va sortir Albertine. Des fois que... Examiner le campement. Alors... Y'a quelqu'un ? Grogro ! Méchant ! Grogro ! Je suis là, tellement méchant ! Grogro ! Non, je... Quand y'a les feuilles qui bug, bon, elles tremblent, mais... voilà, genre... Je fais peur aux feuilles, ça devrait marcher, non ? Grogro ! Méchant ! Non ? Non, t'es pas plus motivé. Bon, je vais faire gaffe à pas tomber sur des pièges à la con. Nickel. Où est-ce qu'il est ? Oreiller. Toujours utile, les oreillers. La colle, toujours utile. Poche de sang, toujours utile. Capsule. Très bien. Quoi, au sol ? Colle miracle. T'es mignonne, mais cartouche de 45, un fusil au radium, cartouche de 45, et c'est tout. Alors. D'accord, on s'est pas compris les gars. Allez, venez par là. Allez, bande de saloperies. Allez, bande de saloperies. Allez. 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 Viens là. Allez, viens là. Vilaine petite fille. T'as été vilaine. Suivant. Voilà. Voilà, tu dégages. Suivant. J'ai dit suivant. C'est tout. Des capsules dans le loup. Ok, on cherchera pas à comprendre d'où ça vient. Je vais me faire... Ah oui, je l'ai oublié, c'est vrai. Ah, je l'avais zappé, le lance-flamme. Les messages ont été diffusés. Attends. Je me rends bien compte que cela pourrait me coûter la vie. Je lisais un vieux livre d'avant-guerre quand je l'ai vu. Atome. Un petit grain de matière perdu dans une profondeur infinie. Le vaste néant qui est en chacun de nous. Cela n'a fait que confirmer ce que je ressentais déjà. La vérité que le gouvernement voulait cacher. Atome n'est qu'un mensonge. Nous ne sommes pas atomes. Vide. Mort. Glacé. Nous sommes le... Niette. 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 Ça lui a fait que dalle. Ça lui a fait que dalle. Alors on va re-essayer pour voir. Mais alors là je suis la déception. C'est de la merde. C'est ridicule. Ridicule. Oh là là.
Ouais, tu dégages. Ah, c'était à chier. Et viens par là. Iti piti 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 piti. Viens voir papa que je te pèle, que je te latte les couilles. Voilà. Ah, ça fait le taf. Là, on est d'accord. Autant prendre une pelle, on est d'accord. Oh, oh, Josiane, tu te calmes tout de suite. Merde. J'ai pris du jet pendant 10 secondes. Merde, fais chier. Lance-flamme du noob, c'est ça, c'est de la merde. De la merde sur un coulis de merde. Hop. Wow. Voilà, ça fait le taf. Donc ça fait ça le jet, ça te ralentit le temps, d'accord. Bon bah c'était à chier. Même pas eu un seul coup de feu à tirer, c'est excellent. Et viens par là toi. C'est fait. Les messages ont été diffusés. Je me rends bien compte que cela pourrait me coûter la vie. Je lisais un vieux livre d'avant-guerre quand je l'ai vu. Atome. Un petit grain de matière perdu dans une profondeur infinie. Le vaste néant qui est en chacun de nous. Cela n'a fait que confirmer ce que je ressentais déjà. La vérité que le confesseur voulait cacher. Atome n'est qu'un mensonge. Ça n'a rien de réel. Nous ne sommes pas des mondes infinis, mais des espaces vides, morts, glacés. Nous sommes le néant. Le confesseur sera furieux en voyant mes messages. Mais je n'ai pas peur. Je vais commencer à déménager certaines choses dans la vieille église, près de la voie d'accès à l'ouest. Au cas où il déciderait de se joindre à moi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'ils peuvent encore être sauvés des mensonges d'Atome. Terminer l'église. Ouais, il y a une église pas loin. Attention, pétard, regarde. Bon. C'est un jeu vidéo, Billy. Alors. Je suppose que l'église va être occupée. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Ce serait pas drôle. Merde, elle est pas morte. Elle est pas morte. Merde. Ah mais il est en train de créer une contre-religion en fait. Vous devez le comprendre mieux que quiconque. Vous qui avez fait corps avec le néant pour l'éternité. Stop! Vous êtes sur un lieu sacré. Que faites-vous ici? Êtes-vous en quête de la vérité du néant? D'accord, elle veut créer une contre-religion, tandis que d'un côté t'as les enfants d'Atome qui disent que tout a été créé et tout se fera grâce à la volonté des armes atomiques, pour la faire courte. Elle est juste pour dire, non mais de toute façon c'est de la merde, la vie humaine c'est de la merde, donc c'est de la merde. Oui, non, je réfléchis à ton, à ton espèce de religion foireuse. Les enfants d'Atome veulent vous tuer, vous devez arrêter de profaner leur lieu de culte. C'est impossible. Ma mission dépasse de loin ma propre existence. Elle mérite tous les sacrifices. Les enfants d'Atome ont été trompés par Martin, par Tectus. Leur croyance n'a aucune valeur. Elle n'a pas lieu d'être. Ce qu'ils essayent de vous cacher, c'est qu'Atome n'est qu'une poussière microscopique dans le vaste univers du néant. Le néant est la véritable nature de l'existence. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un vide si gigantesque et si sombre comme un ciel nocturne sans étoiles. Je sais que c'est difficile à accepter, mais vous n'avez pas d'autre choix. Personne n'a d'autre choix
Tout le monde mérite de connaître la vérité. Je sais que vous essayez de sauver les enfants d'Atom à votre manière, mais vous vous trompez peut-être. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière et expier vos péchés. J'aimerais pouvoir m'en persuader. Oui, alors attends, retournez au noyau. Quitter l'île. Alors, techniquement, ils espèrent quand même qu'elle soit sauvée, donc logiquement... Vous avez été aveuglé par la peur et le doute. Mais au fond, je pense que vous ne croyez pas réellement à tout ce que vous dites. Aveuglé par la peur et le doute, je ne peux pas nier cette réalité. Comment ai-je pu être aussi stupide ? J'étais une enfant d'Atom, une élue. Je dois supplier les miens de me pardonner. Dites à Richter que je vais revenir bientôt. J'accepterai le châtiment qu'ils jugeront bon de m'infliger. Ah bah ce fut rapide. Elle a parlé d'équipement, je peux peut-être me servir. On voulait pas, c'est... C'est pour le travail. C'est pour le travail, j'ai le droit. Ça me parle ça. Viens par là, mon mignon. Aïe. Je peux y arriver. Raté. Non. Voilà. Ouais. Et... Nickel. Et des munitions. Hop, le buff out. Et des soins. C'est bon. Ah, des steampacks. Ah, des Skittles. Toujours plus de Skittles. Il doit y avoir quelque chose sur le toit, les connaissants. Oh. Une mine nucléaire ? Pardon, excusez-moi. Une mine nucléaire ? What is that fuck ? Ouais, on est d'accord. Il y a de quoi en rester bouche bée. Hein. Ouais, on est d'accord. C'est... Bouge pas, hein. C'est jamais. Bouge pas, je t'ai dit. Hein. Fais gaffe, je t'ai vu bouger. Tiens, pour la peine, je te prends, voilà. Je te prends le fusil. Voilà, bien fait. T'as qu'à pas bouger, salaud. Merde. C'est lourd. Bingo. Ok, j'ai plus qu'à aller directement au noyau rendre les quêtes. Comme ça, j'aurai fini avec les quêtes ici. Attends, ton personnage fait semblant ou il est devenu un fanatique religieux d'un culte qui a détruit le monde. Over, tu me dégoûtes. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis le serviteur que d'une seule religion, c'est le redneckisme. Attention. Le redneckisme. Ici, je fais les missions des enfants d'Atom pour assurer la paix sur Far Harbor entre les factions d'Acadia, de Far Harbor et des enfants d'Atom. Mais je n'appartiens à aucun camp. C'est eux qui sont mes sujets. Les sujets de l'empire capitalisto-communiste du Commonwealth. Et oui! Et l'argent! Tout à fait! Tout à fait! Et l'argent à Sangar! Tout à fait! Faites attention à... Eh là là, je te jure! mais ce fut rapide hein, au final! Allez hop, on va rendre la quête vite fait. Je me demande comment ils vont la gérer. Est-ce qu'ils vont la tuer ou... Ah non, c'est par là que ça va se régler, effectivement. Ah, à tous les coups, ça va se régler avec Tectus.
Ah non, même pas. L'hérésie de Gwyneth n'a que trop duré. Sœur Gwyneth revient parmi vous. Elle souhaite expier ses fautes. Vous avez réussi à la raisonner ? Je ne pensais pas ça possible. Je ne peux pas vous promettre que le grand confesseur ne la tuera pas sans autre forme de procès. Cependant, ces histoires de péché et de rédemption sont toujours d'excellents exemples pour les autres fidèles. Je vous félicite. Vous avez prouvé votre dévotion, et plus important encore, votre loyauté. Qu'Atom vous bénisse aujourd'hui, mon frère. Ouais, gloire à Atom ! Gloire à Atom. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas une arme comme les autres. C'est l'un de nos artefacts sacrés. Reprenez votre route, et soyez sans pitié avec les ennemis d'Atom. Oh, 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 oh là 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 là. Oh là là là, le compteur GGR de l'hérésie a explosé. Oh mon dieu. Oh magnifique. Oh cette beauté. Oh là 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 là. Oh c'est beau. Oh c'est magnifique. Oh là 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 là. Par contre, oui, je commence à avoir vraiment... J'ai conversion radicale, mais j'arrête pas d'avoir du stuff. Je sais plus quoi en foutre, c'est horrible. C'est horrible. Allez, je me débarrasse de ça. Je me débarrasse du lance-flamme. Voilà, j'en ai... De toute façon, c'est pas... Oh là 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 là, le niveau supplémentaire qui passe tout seul. Oh là 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 là, magnifique. Alors, j'étais en train d'augmenter quoi, dernière nouvelle ? Ouais, t'as le ninja là en ce moment. Mais je suis en train de me dire qu'il y a un truc sur l'alcool. La modération connaît pas. Vous ne développez pas de dépendance. Les effets de l'alcool. Votre chance augmente de 3 parce que vous êtes sous l'effet d'alcool. D'accord. Mais je voulais plutôt la résistance. Genre, c'est pas via l'intelligence. L'effet des drogues que vous consommez dure 2 fois plus longtemps. Pas ça, hein. Ouais, ça rond. Ouais, non, c'est pas ça. Avec vous, l'homme, vous pourrez pirater un robot. Quand vous arrivez à un, vous pouvez donner des ordres précis. Ouais. Attends, je vais te la remonter, Corvia, pas de soucis. Les réacteurs à fusion durent 2 fois plus longtemps et peuvent être éjectés des armures assistées pour servir de grenades. C'est pété. C'est pété, c'est pété. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bon, oui, c'était ça, j'augmentais en fait. Ouais, les armes lourdes. Voilà, c'était ça, j'augmentais. Ok, ce que veut Atom. Très bien. Niveau 67. Saut. Remontrons un petit peu l'arme. Qui est du coup... Conversion radicale. L'enfant de... Les noms qu'ils ont trouvés. Le jugement d'Atom. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est beau. C'est magnifique. Oh là. Si vous continuez, j'irai me plaindre au grand confesseur. Je vous raconte ce que j'ai vu, c'est tout. Qu'est-ce qu'Atom peut bien avoir à faire d'un petit quai de rien du tout de tout. Oh là 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 là. Bon, mais du coup j'ai fait toutes les missions de Far Harbor, on est bon. Il y a des divers, on s'en fout. Ça, c'est ça, et ça, c'est au Commonwealth. Bien, mais ça, c'est fini, ça c'est bon. Ok, on a fait le plein énorme de matos. Oh god. Bon, oh, mais maintenant, il n'y a plus qu'à aller se vider. Hein. Plus qu'à aller se vider et faire le point sur le matos. Oh là 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 là. Écoutez, il nous reste quoi? Une demi-heure avant 23h. Je peux peut-être vous proposer de retourner à l'abri 88 et de commencer à réfléchir sur comment organiser une bonne fois pour toutes cet abri pour qu'il y ait du... Je dois me faire des... Pour que j'ai l'usine d'armement et tout le bousin. Il est peut-être temps, je pense. Voyons voir, Commonwealth. Ouais. Ou alors, je me vide à l'abri 88.
et je fonce revenir après pour vider. Il y a Acadia et les enfants d'Atome, parce que là je n'ai plus de place et j'ai toujours pas pu. Il y a peut-être ça, hein, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. J'y pense, Over, tu as quasi pas de perk dans les armes lourdes. C'est peut-être pour ça que le napalm était nul à chier. Possible. Possible. Vraiment possible, mais... Je sais pas. Après, j'ai le Saint Redneck, hein. Donc, niveau armes lourdes, je m'en fous un peu du reste tant que j'ai le Saint Redneck. Oh, j'ai Shaun aussi à choper. J'ai cru comprendre qu'il a une arme à me donner au bout de certaines quêtes à la con. Oula, j'ai fait foirer le jeu là. Hop là. Non, non, retourne au Commonwealth. Ben j'y suis au Commonwealth. Une minute. Ah, les Lazerotrons. De belles saloperies, ça. Ok, donc déjà, on va vider le bric-à-brac. On commence, très bien. Alors, du coup, on va vider les armes. On va essayer de foutre le... On va essayer de ranger un petit peu tout ce bordel. Là, il y a eu un petit... Il y a eu un petit foirage au niveau vidéo, dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben voilà, beaucoup mieux. Alors. Au niveau des armes, du coup, la conversion radicale est excellente. L'enfant de décembre, je vais enlever ça. Non, mais reste-y. Ah oui, non, mais de toute façon, il faudra que j'y retourne. Mais ça, je ferai ça, du coup, peut-être en hors ligne, plutôt. Donc, la mine nucléaire, je la pose pour l'instant. Mine à fragmentation. La lame, je la garde. Je l'ai promis. Jugement d'atome, faut que je l'upgrade. C'est juste obligatoire. Fusil au radium, c'est classique. Il n'a pas d'autre avantage, donc je vais la transformer. Touille Michel, le pistolet, il me sert un peu à rien. Tac. La lame de Pikman. Ok. Ensuite, ici, ça va être tout ce qui est armure. Rien de nouveau. Niveau soins, j'ai fait ce qu'il fallait. Je vais voir si j'ai pas des soins tout court à poser. Ah. Très bien. Allez hop. Au niveau de l'établi d'armes. Donc déjà, on va commencer par le fusil au radium que je recycle. Le jugement d'atome. Bobine thermique. Je peux y rajouter des dégâts comme ça. Ou un fil de dégâts électriques avec une chance d'étourdir l'adversaire. Oh là 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 là. Lui, c'est juste dégâts d'énergie. Là, c'est dégâts électriques avec une chance d'étourdir l'adversaire. Oh là 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 là. Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends. On est d'accord. Je veux voir ton abri, sauf si tu as fait une visite dans les épisodes sur YouTube. J'ai fait un épisode, c'était il y a longtemps, sur l'abri 88. Je crois que j'ai écrit abri 88 d'ailleurs. Tu en as un aperçu en détail d'avant, mais là, l'abri 88, il n'en est que là. Voltec avait de la thune. Il y a tout ça à faire. Oui. Il y a tout ça, il y a tout à faire. Je peux faire tout ce que je veux dessus et je viens de connecter quasiment toutes les colonies. J'ai cru comprendre qu'il reste encore une colonie à connecter, qui est une colonie de Nuka World, donc sur l'autre DLC que je n'ai pas fait encore. Alors moi, ce que je vais faire ici, du coup, les armes, puisque de toute façon, je ne pourrais pas les récupérer. Voilà, tous les trucs comme ça, canon de bordée, je le garde. Là. Batman, j'y touche pas. Flambeur, je vais voir si je peux pas le modifier. Non, ça c'est ma bonne vieille Géraldine. Hop, le Junk Jet. Ah, ça c'est une arme comme on les aime.
lance-flamme, je garde de côté au cas où. Lance-missile, je crois que ça rapporte que dalle. J'ai l'autorité du juste, donc ça sert à rien. Terre critique inflige deux fois plus de dégâts. Très bien. On a Luminico, hein, avec l'arme absolue. J'ai 9 mini-bombes que je vais pouvoir utiliser. Ça va être assez drôle. La machete, on s'en fout un petit peu. Les masses, j'ai ce qu'il faut. Et pistolet de Kellogg, pistolet de lance-fusion, on s'en fout. Pistolet gamma, je vais voir si je peux récupérer quelque chose. Je le garde. Ah, et comment tu connectes des colonies ? En faisant comme je l'ai fait tout à l'heure, tu envoies une caravane d'un point à un autre. Et en fait, quand tu fais une ligne, une voie de ravitaillement entre une colonie A et une colonie B, tu as les ressources qui sont en commun entre les deux. Genre, tu as 20 d'acier sur A et 20 d'acier sur B, ben, en tout, tu as 40 des deux côtés utilisables. Donc l'idée, en fait, c'est que tu te choisis une capitale que tu veux surdévelopper par rapport aux autres, et tu les mets en contact avec toutes les autres colonies. Comme ça, chaque fois que tu as fini, que tu es en trop plein, que tu as besoin de te vider, eh bien, tu reviens à ta base capitale, tu accumules tout le bric-à-brac, tout le matos, toutes les munitions, etc. sur ce point, tous les matériaux, et comme ça, si jamais tu as besoin de développer tes colonies, elles ont directement accès au stock principal, et à l'inverse, ce stock principal a accès à tout ce que les colonies continuent de scavenge. Voilà. D'où l'intérêt de l'Ebri 88, qui est absolument gigantesque. Je t'invite à regarder les épisodes que j'ai fait dessus il y a longtemps. C'est gigantesque, gigantesque, gigantesque. Il y a la touille Gisèle. Oh, c'était ça, la touille Gisèle, j'avais oublié de la prendre. Le Tacos Express aussi, c'est ancien depuis le temps. Il y a tellement d'armes. Épée de la guerre d'indépendance, ouais, effectivement. Hermas, ouais. Lame de la Zérotron, je vais peut-être la garder, elle est classe. Dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Là, je vais recycler tout ce que je peux pour faire le point, parce que j'ai tellement d'armes légendaires que ça sert à rien d'en garder et j'aurai pas le temps de vendre les autres si vous voulez. Quitte à vendre, autant vendre directement des armes légendaires que je n'utiliserai pas, ce sera plus rentable. Déjà, hop, je vais me débarrasser de tout ça. Déjà des engrenages. Déjà d'emblée, c'est rentable. Nickel, pistolet de l'acier, nickel. Les vis, toujours utile. Voilà. Pistolet auto. Un. Deux de cuivre, ça c'est cool. Quelle carabine de combat. On va débarrasser. Le flambeur, je le garde quand même parce qu'il est vachement beau. Toi, 12 vis. Il y a beaucoup de vis à récupérer, c'est cool. Tu as fait la mission de l'USS Constitution? Oui. Oui, je l'ai fait. Il y a une dizaine d'épisodes, je crois. J'ai dû le faire. Oh, il y a du verre. Excellent. Tac. Tac. Et tac. Alors, du coup, pistolet gamma. Quel ? Le plasma, ok. Ah, en un an, j'en ai accumulé du matos, dis donc. Hein. Tout ça d'aluminium, ah oui. Oh, le cuivre. Ouh, le cristal qui va faire du bien. Bien. On a du bon matos qui arrive, dis donc. 5 de cuivre, et ben voilà. 10 de cuivre, et bien voilà. Là, on peut faire quelque chose. De la fibre optique, magnifique.
Magnifique, magnifique. Encore du cuivre. On est bien là. On est bien, on est bien. Je vais pouvoir m'en faire des munitions. C'est excellent. J'ai besoin de cuivre. J'ai besoin d'engrais. Et j'ai besoin de je ne sais plus quoi pour faire des munitions. Tu as eu quelle réaction quand tu as vu le bateau s'écraser ? Je me suis marré. Évidemment. Évidemment, évidemment. On y croit au début, hein. À la trajectoire, elle est bonne. C'est après, quand ça commence à baisser, t'es là. T'y es presque, tu vois. Ah là là. Ah, tout ce matos de récupérer, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et puis le jugement d'atome. Oh là 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 là. J'ai hâte de le tester, ça va être magnifique. Cool flambeur, je le garde de côté. Très bien. Donc du coup, je dois avoir énormément de... Ouais, j'ai encore pas mal de scrap à descendre. Casier, du coup, au niveau des armes. Déjà, avec ce que j'ai rajouté, c'est déjà pas mal. Du coup, je vais stocker la batte de baseball, parce que même si elle est magnifique, je fais 184 de dégâts avec ça, alors qu'avec le jugement d'atome, je fais 360 de dégâts. So, quand je dis qu'il faut apprendre la balistique, pas trop le choix. Pas trop de choix, pas trop de choix. Je garde la lame de Pikmin des fois que je puisse faire du sneaky sneaky, mais va être vite vu. Maintenant, il faut marcher jusqu'à l'atelier où je me débarrasse de tout le scrap. Qui est du coup assez nombreux. On peut le faire. Moi, je suis sûr qu'on pourrait remonter sur le bateau avant le décollage. Sûr qu'on pouvait... Écoute, je sais pas, c'est une bonne question ça, je me suis pas posé la question, je dois bien t'avouer. Mais bon, c'est... Ça reste marrant. J'ai pas cherché à aller les revoir par contre, je sais pas si c'est possible. Parce qu'on les voit se vautrer, mais du coup on se demande pas derrière si... Si on peut leur refaire des quêtes, tu sais, pour qu'ils puissent se barrer enfin une bonne fois pour toutes. Voilà. Plein de matos en plus, excellent. Du coup, la poche, j'ai plein d'adhésifs et du cuir. Cuir, cuir, cuir moustache. Très bien. Du coup, munitions noires, ça c'est bon. Toi, il te faut des poches. Très bien. La discrétion, t'es mignon avec ta discrétion, mais ce sera des poches. Hein ? Je suis bourrinator. Poche, 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 poche. Cuir, cuir, cuir moustache. Voilà. Ça, je suis bardé de poches partout. Et ça me fait monter à 380. Très bien. En tenue, je suis complètement équipé. Très bien. Faudra que je voie pour les soins. Je ne peux pas améliorer, sauf erreur, mon armure. Là, que 22 de balistique. Hein, au-delà, faut carrément une... Des armures assistées, mais ça, de toute façon, il faut que je mette ça en place. Bien. Bien, 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 bien. Je préfère que descendre une pinte ou deux, mais ça fera l'affaire. T'es mignonne comme tout, tiens. Enfin. Dites-moi si je peux vous prendre quelque chose pour vous alléger un peu. Ou si vous voulez que je relise votre journal de bord, par exemple. Les gens se plaignent du manque de vie. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est fini. L'Institut est mort. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? J'avais oublié de lui dire. C'est vrai, bah oui, ma cocotte, oui. Ça fait déjà une quinzaine d'épisodes, ma grande, hein. Le Commonwealth est enfin en sécurité. Exactement. Fini les enlèvements, fini les nuits sans sommeil à se demander si votre voisin ne va pas vous poignarder dans le dos. Plus personne ne vivra dans la peur maintenant. On va enfin dormir sur nos deux oreilles maintenant. Et c'est grâce à vous. Merci, y a pas de souci. C'est grâce à nous. Rien de tout ça n'aurait été possible sans votre aide. C'est vrai, mais l'Institut était déjà là longtemps avant que vous débarquiez. C'est fini maintenant. Bienvenue dans le nouveau Commonwealth.
Merci, c'est trop gentil. Kate. Ouais. Ma grande. Ça dérange pas de marcher un peu, mais faut qu'il y ait une récompense au bout. Pardon. On peut y aller ? Ouais, 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 allez, hop. Allons-y. Bien, alors on se bouge. Allez, viens, cocotte. Oui. Ok, oui. Alors j'avais cette base de travail. La trame aspirante avec tout le bric-à-brac à la con. Et je pouvais faire une usine ici. C'est bon. C'est délire cet endroit. C'est vraiment des branques chez Voltec. Ouais, je te le fais pas dire. Tout ce qui va être sur le dessus, là les murs, on va partir du principe qu'ils seront faits, je ferai un, voire deux, voire même trois étages sur le dessus. En tout cas, c'est sûr que le premier étage, je vais le laisser comme ça, à cause de la machinerie que je vais mettre en place. Ça, ce sera assez simple. On va laisser toute cette zone entre les mains de mes petits gars. Pour essayer de mettre en place l'usine. Alors... Au travail, en sachant que ça a déjà été un petit peu stocké. Des défenses, de l'électricité. Oui. Fabrication. Alors, du coup, j'en ai déjà en stock, hein, sauf erreur. Ouais, j'en ai déjà en stock, très bien. On va faire simple, on va prendre les ateliers de fabrication. On a des objets basiques. Ok, on a une forge d'armes qui va m'intéresser plus qu'autre chose. Non, pas d'armes. Ni d'armure. D'armes et de munitions. Là, on peut discuter. Très bien. On a des explosifs que je peux faire potentiellement, effectivement. Mais, il faut que je sois expert en démolition de rang 2 pour ça. D'accord, des mines ou des grenades. Ce serait cool. Feu d'artifice ou processeur alimentaire. Processeur alimentaire peut être intéressant. Il faut que je vois ce qu'il y a de proposer. Très bien. Alors déjà, je vais connecter un ordinateur à l'arrache pour voir les constructions que je peux faire. En sachant que toi... Bon, d'accord, très bien. La haute aspirante, j'ai pas un moyen de... Non, si ? Ces trucs ressemblent un peu trop à des tombes à mon goût. J'ai fait de la merde là. M'en fous de la trémie. Par contre. Elle, on peut la laisser comme ça. Nickel. Et on peut, disons, lui le mettre là. Non, tu veux pas ? Si, t'as dit. Ah, voilà. Nickel. Déjà, on y retrouve un peu plus. Ch'tonk, tac, tac, tac. Et on peut transformer quelque chose ici. Quelque chose de basique. Cependant. Toi, on va te mettre là de côté. Voyons voir. C'est du basique, hein. C'est du basique. On se remet dedans. On pose les bases. Pépère, tranquillou bilou. Juste que ça ressemble à quelque chose. C'est pas le constructeur. Es-tu allé dans l'abri 81 ? Oui, c'est il y a un moment déjà. Tout pourquoi d'ailleurs ? J'y suis allé, très clairement. Usine à munitions. Tu me diras, ça en fait deux, mais attends. Je vais pas voir ça tout de suite. C'est le processeur alimentaire que je veux voir. Hop, voilà, nickel. En plus, il y a des vidéos qu'il va falloir que je regarde pour organiser correctement l'industrie, mais... J'avais mis ça pour connecter l'électricité, très bien. Voyons voir. On a le processeur alimentaire. Et donc il faut un ordinateur. Genre, je peux le mettre là ? Écoute. Et il nous faudrait... Non, ça marche pas. Non, évidemment. Alors, il me semble que de le mettre ici me permettait... Voilà, donc lui de le connecter. Lui de connecter au reste. Nickel!
Et salut à toi, Zetraz. Quelles sont les meilleures armes à avoir? Tout dépend de ton style de jeu, mon grand. Vraiment tenu 200 ans dans ces boîtes de conserve? Je serais devenue folle. Pas le bol de galérer. Quand est-ce qu'on va boire? Et attends. Alors, commande, usine, munitions, alimentaire. Alors, alimentaire, je peux faire quoi? Macaroni, du crème, purée, des œufs mimosa, des bombes, des chips, des poires aux haricots, de la purée. Ah, c'est marrant. Je peux faire des œufs, mais avec quoi? Avec les œufs de fangeux. Oh, excellent. De l'huile et du plastique. Iu. Poires aux haricots. Viande de rat taupe. Haricots évasés et de l'acier. Ah, ben oui, si, l'acier pour la canette. Ok. C'est de la merde, mais c'est marrant. Alors, commande de l'usine à munitions. Munitions. Il me faut des munitions de. Roulement de tambour. Il me faut des munitions de quoi? Excellente question. Les cellules, je les aurais pas, faut que je les achète. Ouais, c'est de la 308 qu'il me manque. Usine à munitions, la 308. Il lui faut quoi? Cuivre, plomb, engrais. Et carré à 45. Cartouche de calibre 12, cartouche de 5 mm. J'ai vu la 308. C'est la munition de 5 mm pour mon minigun. Lui, c'est juste de l'acier et de l'engrais. D'accord. Donc, où est Curie? Quelque part par là, je crois. Je crois que c'est. Les gens sont obligés de dormir à tour de rôle. Tout le monde. C'est. Elle est où, Curie? Curie? Hein? Oui. Non, elle est quelque part dans le coin. Je t'invite à regarder le let's play, elle est pas loin. Du coup, on va se dire. Tac. On va se dire que ça va être stocké. Le processeur alimentaire, on s'en fout un petit peu. Lui, on a ses munitions qui sont sympatoches. Déjà les munitions. Est-ce que j'ai de l'engrais? Voyons voir. Ah oui, ça y est, je m'en souviens de mon problème. Il me fallait d'abord les ingrédients. Le problème, c'est que pour avoir les ingrédients, je voulais d'abord les trier, c'est ça. Hein. C'est ça que je voulais. $200. Écoute, je dis oui. Qu'est-ce que je cherchais? Oui, ici. Si. Est-ce que j'ai de l'engrais? J'ai plein de cuivre. Et j'ai de l'engrais. La question étant, en plus de l'engrais et du cuivre, est-ce que je dois l'avoir sur moi pour que ça marche? Attends, comment on fait? Ça se... Tu as une chaîne YouTube? Bien sûr, Zetraz, avec des dizaines d'épisodes sur Fallout 4 et des dizaines encore à venir et sur plein d'autres choses. Voici le lien vers le YouTube et je te donne le lien vers le Twitter pour ne rien rater de nos infos. Et si t'aimes la commu, si t'aimes les Discord, il y a celui de la commu qui vient également. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser sur YouTube. Fais-toi plaisir, moi. C'est mon problème, en fait. À chaque fois que je me retrouve dans cette situation, j'ai toutes les ressources que je veux, mais je sais pas quoi faire. C'est terrible. C'est terrible. Et bonne nuit à toi, Mika. C'est gentil d'être passé. Alors, comment marche, du coup, la cargaison? C'est genre bric-à-brac? Et... Oui, c'est un paplard, quoi. Enfin, c'est... Oui.
C'est... Ça me perturbe cette affaire. Ou alors... Ils ont dû se faire une petite fortune avec ce genre d'endroit. Ça marche comme ça peut-être ? Cuivre, engrais, il me faudrait du plomb aussi, ne fais pas tout sauter. Je peux pas te le garantir mon grand, mais je vais essayer. Ça me perturbe cette histoire. Ça me perturbe cette histoire. Du plomb. Il y avait du plomb, je vois plastique, fils. Acier, alu. Non, alors le plomb. Juste du plomb, tout ce que je demande c'est du plomb. Oublie. Même deux de plomb. Ah, t'inquiète, je le vis bien. Oui. Je le vis bien. Genre ça marche en automatique ? Attends, j'ai lancé quelle munition ? C'est pas notre temps à fuir le danger. Commande de l'usine à munitions. Admettons, bah justement, là, peut-être pas la 5.56, mais... Acier anglais. Ok. Et merci Zetras pour le follow, du coup. Bienvenue à bord, camarade. N'hésite pas à rejoindre également, du coup... Le YouTube, hein, n'hésite pas. Peut-être tu as eu un bon pour une commande de cuir qu'il fallait la chercher. Ben ouais, c'est ce que je me dis. Mais le problème, c'est que j'allais l'acheter à qui ? Voilà. Alors, on va dire. Ouais. On va dire seulement 5. Ça marche, c'est bon. Ça marche bien comme ça, effectivement. C'est bien comme ça que ça marche. Voilà, c'est bon, ça crée l'engrais et tout le reste. Et du coup, ça fait combien de 5 mm à chaque fois ? Oh, 10 bassos de... Oh, seulement 10 ? Ah ben, il va en falloir du cuivre et autres. Bah du coup... Les gens ont vraiment tenu 200 ans dans ces boîtes de conserve ? Je serais peu mignonne. Propre. Et il faut savoir que sur Internet, on a... des tarés, des francophones, hein, des français, qui ont réussi à créer toute une usine automatisée. Hein. Ça va très loin leur truc, c'est passionnant à voir. Et je vais essayer de faire ça pour moi-même, hein, pour le let's play. Je sais pas encore comment je vais l'organiser, mais je le sens assez bien. J'ai hâte de pouvoir le faire. Alors, on peut pas juste arrêter, non ? Hop là. Nickel. Mal, voilà, tu m'en veux pas, mais... Bonjour, c'est déjà pas mal. Hein ok. Donc on a ce qu'on veut. Donc dans l'idéal, ce que je vais vouloir faire, ça va être... un complexe. De traitement de tout le bric-à-brac que je vais ramener pour le transformer en ressources qui me seront utiles pour faire des munitions ou des explosifs ou de la nourriture. Les stocker à des endroits clés.
créé une armurerie avec que les munitions dedans. Et déjà, ce sera pas mal. Si j'arrive à avoir un système automatique de recyclage du bric-à-brac pour que ça fasse les munitions que je demande comme ça m'arrange, ce serait déjà pas mal. Mais ça, on verra ça effectivement dans une autre fois. Maintenant, j'ai des vidéos à regarder. J'ai plus vraiment d'excuses pour ne pas les regarder. Il faut que je mate ça, que je regarde ça en détail. Je vous tiendrai au courant via YouTube. J'ai quand même plein de choses à faire sur YouTube pour continuer le let's play maintenant que je suis de retour sur le Commonwealth. J'ai un petit quelque chose à préparer qui, j'en suis sûr, vous plaira dès que je pourrai le mettre en place avant de continuer sur Nuka World. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée. Je me suis bien éclaté. J'espère que vous aussi. Si vous n'avez pas encore fait la démarche d'aller sur YouTube, je vous invite à le faire. Il y a plein d'aventures. Vous pouvez continuer à me poser des questions quand vous voulez. J'ai le temps de vous répondre en détail, en long, en large et en travers. Vous pouvez rejoindre le Discord et surtout le Twitter. Comme ça, vous ne ratez rien des aventures. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Demain, vous retrouvez le Capitaine dès 14h sur cette chaîne. Et n'oubliez pas, entre 2 et 3 vidéos par jour sur YouTube, pensez-y pour avoir de quoi vous occuper. Je vous souhaite une très bonne nuit. À très vite. C'était Over. Je rends l'antenne.